Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui nous vous proposons un rapport de bataille de Warhammer 40 000, bien entendu en V9, en jeu égal à 2000 points. Le premier adversaire c'est Alaric qui vient avec son armée de Nécrons, une superbe armée de Nécrons blanc immaculé qui a été peint par le service d'Erex Work. À la tête de son armée, il a mis un Khtan, un Nightbringer qui shield la mortelle autant qu'il peut. Ça sera intéressant parce que face à lui, on aura ni plus ni moins que Papa Mortarion, qui sera mené par Hugo, que vous avez déjà vu sur la chaîne il n'y a pas très longtemps. Lui, il était venu avec des orques ce coup-ci, il vient bien sûr avec de la Death Guard, donc également une superbe armée. Donc ces deux armées sont plutôt équilibrées et ça devrait nous proposer un match plutôt intéressant. Avant de vous présenter les listes et le scénario, je vous rappelle que Creative Wargames organise son festival, le festival Creative Wargames, qui se déroulera du 21 au 24 avril sur YouTube, donc intégralement en live. Vous voyez à l'écran le programme, c'est du lourd, il y en a pour tous les goûts. Il y a des parties en live de 40K bien sûr, mais aussi de l'AOS, du Blood Bowl, il y a aussi des interviews, des talks, on va parler de méta, on va parler de règles, on va parler des FAQ. Il y a aussi la peinture avec le défi peinture de Creative Charlie qui peindra 2000 points d'Eldar en un week-end. Enfin, il y a des jeux concours et vous avez possibilité de gagner un pack WTC de My Scenery. C'est celui qu'on utilise pour ce rapport de bataille en particulier. Pour ça, c'est simple, il vous suffit de vous inscrire sur le site Creative Wargame pour participer au tirage au sort. Enfin bref, réservez vos week-ends, ça va être un week-end de folie. Sur 4 jours, ce sera une véritable fête du hobby. Bien sûr, on vous y attend nombreux. Pour cette partie, le tapis et les sites sont bien sûr de la gamme Crank Wargame, notre partenaire. Les décors sont de la gamme My Scenery, vous le savez. Et si vous avez besoin d'acheter des figurines neuves, à pas cher, ben, on vous propose notre partenaire My Hobby Base. Sur ces trois partenaires, vous avez les liens en description, vous avez des réductions. Il suffit d'indiquer lorsque vous faites votre commande les petits codes qui vont bien et vous aurez profité de prix très avantageux. Pour le scénario, nous jouerons le scénario numéro 12. Alors je vous en fais un résumé, vous l'avez à l'écran, mais je vous en fais un résumé un peu rapide. Hein. Il s'appelle Renverser les icônes, il est issu du Chapter Approved 2022. En résumé, vous marquez 4 points de victoire pour un objectif, 8 points pour 2 objectifs et 4 de plus si vous en avez plus que votre adversaire. La deuxième partie du primaire consiste à poser des bombes dans la moitié du terrain adverse en faisant des actions. Vous avez la possibilité de désamorcer ces bombes, et ça également au moyen d'actions. A la fin de la partie, chaque bombe posée et non désamorcée rapportera 4 points de primaire à son propriétaire. Tout de suite, la présentation des listes. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Cette fois-ci, je suis venu en Death Guard de la Légion de Mortarion. Alors, à Death Guard, ça fait quoi? Premièrement, je mets des malus à l'endurance parce que je suis pourri et que ça sent mauvais. Également, la majorité de mes troupes à pied, donc tout ce qui est Terminator, ne prend pas les modificateurs, tout ce qui est terrain, charge, etc. parce que c'est pesant. Donc voilà, grosso modo, c'est armée DG. Qu'est-ce que j'ai dans mon armée? J'ai un détachement Vanguard, donc celui des élites, pardon. Il se constitue d'un premier QG avec un prince démon, donc le prince démon qui tape quand même relativement bien. Il est équipé d'une relique qui s'appelle la ruche d'insectoire, qui permet d'avoir une foudre des touches et des blessures au corps à corps. Il a également un traceur de guerre supplémentaire qui permet d'avoir une transhumane et un PV supplémentaire. En troupe, j'ai deux packs de pox, un pack de 18 et un pack de 17, qui sont là en gros pour surmer la map, pour pop, pour prendre des objectifs parce que ça amène du super OP, éventuellement faire des actions DG. On verra ce que ça donne. Après les troupes, j'ai pas mal d'élites justement. Je vais commencer par les Virions Fétides, sachant que je peux avoir jusque deux slots pour un slot, en gros, c'est la règle DG. J'ai le Full Light Spawn qui a ses cuves, donc une relique supplémentaire que j'ai dépensée, donc j'ai payé. Donc c'est ce qui donne l'aura de semi-fightast entre guillemets à 6 pouces, donc à portée de voilà, 6 pouces en gros. Il donne un fightast à 3 pouces, il a aussi l'amélioration morvisqueuse qui permet d'avoir un footch que je peux relancer en gros, je peux relancer le dé de touche automatique avec une force 8 en plus de ça et de dégâts. Pour accompagner, j'ai son copain le Talisman qui va apprendre à compter pour récupérer des PC et donner des bonus de touche. Et après, j'ai le gros de mon armée, c'est-à-dire un pack de 9 Terminator Blightsword, oui Blightsword, donc les rouillards qu'on pensait, c'est moins stylé mais bon. Ils sont équipés d'un fléau et c'est tout. Après, c'est que de l'épée. C'est la grosse encume qui est là pour se poser, pour essayer de faire des morts, pour normalement tanker et puis faire leur vie. Hein. Pour les accompagner, j'ai les mecs un peu plus brossons, c'est-à-dire les Deshrod, donc le linceul, qui sont les gardes du corps du grand seigneur de la mort Mortarion, qu'on verra. Donc je suis équipé d'orfaux classiques, ils sont juste là pour découper tout ce qui se présente à eux. J'ai ensuite les deux tanks qui sont là en tant qu'appuyeux, donc les deux Plague Burst avec le canon entropie pour détruire un petit peu les gros, avoir les mortiers qui permettent d'avoir des tireurs hors loss, et puis camper au fond de la map, faire leur vie, mais c'est leur rôle. Et pour finir, j'ai le grand papa,
Mortarion himself. Par contre, je vais rajouter un traceur de guerre qui n'est pas celui qu'on voit d'habitude, qui est donc la gouaille gargouillante, qui permet d'avoir une bulle d'ignore, comment dire, d'ignore reroll, touche et bless et d'ignore overwatch. Il a le droning, donc le bourdonnement, qui est le trait de la 7ème compagnie ou 6ème compagnie, si je ne dis pas de bêtises, qui permet de diviser par deux la caractéristique de mouvement aux méchants qui sont à portée, donc d'aura de contagion, sachant que Mortarion, lui, il est au max du max à chaque fois. On commence sa partie avec 7 PC. C'est peu, mais c'est fluff. Voilà. Pour ce rapport de bataille, je suis venu avec une armée de Nécrons en format bataillon. Donc les Nécrons, c'est une armée très résiliente. Dès qu'une troupe va mourir, il y a une chance qu'elle revienne, si son unité n'a pas été complètement décimée. Du coup, je devrais pouvoir bien tenir la map. Pour les traits de dynastie, j'ai pris Eternal Conqueror et Relentlessly Expansionniste. C'est assez classique pour du Nécron, mais c'est très efficace. Ça me permet d'avoir un pré-move de 6 pas avant le premier tour, une fois qu'on sait qu'il y a l'initiative, donc c'est très utile. Et j'ai également obsèque sur absolument toute l'armée, sauf une unité qu'on verra à la fin. Et ça, c'est vraiment utile, notamment en V9 avec les nouveaux objectifs secondaires, etc. C'est vraiment top. Je suis donc venu avec un bataillon avec deux QG. Le premier QG, c'est un Overlord. Je lui ai mis en premier lieu un stratagème qui lui permet de donner son buff principal à deux unités autour de lui. Donc ça, c'est quand même vraiment appréciable. C'est un plus un tweet, ça c'est bien. Je lui ai également mis une relique, le Veil of Darkness, qui est une relique également bien connue des Nécrons, qui permet de prendre une unité corps et de la téléporter ailleurs sur la map en phase de mouvement. Ça, c'est vraiment utile, surtout que maintenant, une grande partie de l'armée Nécron a été buff et est désormais corps. Ça, c'est vraiment top. Et en plus de ça, pour bien faire, son trait de guerre lui permet d'augmenter la bulle de ses auras, y compris de ce double buff qu'il peut mettre. C'est donc vraiment un bon buffer. Le deuxième QG, c'est un Canoptech Technomancer. Donc le Technomancer, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il peut notamment ressusciter une unité par tour dans une unité à proximité. Donc maintenant qu'une bonne partie de l'armée est corps, c'est vraiment pratique. Il peut le faire sur deux unités avec un stratagème. C'est un bon buffer également, mais plutôt défensif de son côté. Ensuite, j'ai 3x5 immortels. Ce sont des unités d'infanterie assez résistantes pour tenir des objectifs. En du 5, ça y va 3, c'est quand même résistant. Ils sont là plutôt pour être en arrière-garde. J'ai également, alors là on arrive sur le cœur de l'armée, 2x6 Corpec Destroyer. Ça, c'est des unités de CAC qui vont très vite, qui impactent très très fort. Et malheureusement, c'est des dégâts 2 ou 3, donc la Death Guard réduit ça de 1. C'est un petit peu embêtant, mais ce n'est pas grave. Ça va quand même être une grosse force de frappe. J'ai également 2 packs de 5 Lich Guards, ça c'est plutôt le côté tanky qui prime, notamment avec tous ces secondaires à faire ou faire des actions, j'ai préféré splitter mon pack de Lich Guards en 5 pour avoir plus de mobilité, etc. Derrière, en parlant de mobilité, j'ai un pack de 4 Wraiths. Les Wraiths, ce sont des unités extrêmement mobiles, ça bouge de 12, ça peut se désengager et charger, c'est comme des arlequins, ça passe à travers les unités, même les unités ennemies pour charger, c'est vraiment très mobile. Et ça a une invue à 4, donc c'est très bien quand c'est obsèque pour prendre des objectifs. J'ai également 2 packs de Scarab, un pack de 5, un pack de 4. Ça, c'est également très mobile, ça vole. Ça a 4 PV par socle, alors que ça ne coûte que 15 points. Bon, par contre, c'est en mousse. Hein. Et ça permet, en gros, d'aller soit faire des petites taquineries sur les côtés, de prendre des objectifs, soit d'être un premier cordon défensif, ce qui est toujours très bien, ou de faire de l'antifaible, c'est super. J'ai également, ça c'est ma force de tir lourde, 3 Locust Heavy Destroyer. Ça, c'est des unités qui ont un seul tir chacun, d'où l'intérêt de les buffer pour fiabiliser ça. Par contre, c'est un tir qui est force 10, PA moins 4 et dégâts 3d3. Donc autant dire que ça chatouille quand on a 3 qui vous tirent dessus. Et j'ai également, pour gérer de la masse, un Hexmark Destroyer. Ça, c'est une unité qui peut arriver en FEP, qui peut intercepter des FEP. Bon, sur les Terminators, c'est moins utile, mais parce que c'est force 5, ça fait 6 tirs. Et surtout, quand il tue une unité, il retire dessus. Donc potentiellement 6 tirs x 2. Et je lui ai mis en plus une relique qui fait des mortels, qui est surtout utile contre de la masse. Je lance un dé par figue dans l'unité ennemie, chaque 6 ça fait des mortels. Contre des Poxwalker, ça peut faire la blague. Et enfin, dans mon armée, avant ça, j'ai 2 harpies, des Crypto Thralls. Ça, ce sont des escortes, ça va avec le Technomancer et ça empêche qu'ils puissent être ciblés. Ce sont des bodyguards. Le Technomancer, qui est relativement fragile, ne peut pas être ciblé, pris pour cible, tant qu'ils sont à proximité. Et c'est relativement tanky pour le prix, ça peut faire des actions, c'est bien, c'est vraiment, prenez des cryptostrales quand vous sortez de chez vous, c'est vraiment top. Et enfin, le dernier gros morceau de mon armée, j'ai sorti le Nightbringer. Je lui ai mis donc un sort au choix
qui permet de faire des mortels à 24 pouces, flat 3, ça tombe un Terminator sec. En plus de ça, comme c'est bien connu, il ignore les invulnérables au corps à corps. Donc sur des trucs à 1 vue à 4, ça fait la blague, ça tape très très fort. Il peut perdre que 3 PV par tour. Son sort signature fait des mortels en bulle. Et il a quelques stratagèmes encore plus sympas pour rebalancer des sorts ou changer, etc. Par contre, il coûte très cher, mais il y a Mortarion en face. Il fallait que je sorte un Nightbringer et pour aller les chercher, parce que sinon ça va être compliqué à gérer. Et je pense que ça va vraiment être l'affrontement décisif entre Mortarion et Nightbringer. Qui peut engager qui en premier, qui peut mettre des mortels sur qui. Et je pense que ça va être assez beau à voir. Je commence cette partie avec 9 points de commandement, donc un peu plus que mon adversaire. Peut-être que ça sera décisif. Au niveau des secondaires, pour mon premier secondaire, j'ai pris la domination, l'emprise, Stranglehold. Toute mon armée est objectif sécure, donc ça va être assez compliqué pour mon adversaire, mais néanmoins camarade, de me sortir de la table. J'espère pouvoir le marquer de façon relativement stable, même s'il y a Mortarion qui va rapidement prendre les objectifs du centre de map. J'espère pouvoir faire des choses. Moi j'ai pris pareil parce que c'est facile ce jeu. Non, en vrai... J'ai fait une sorte de triangulation un petit peu stylée, donc en gros, je mets quand même l'impression que s'il vient me la prendre, moi en retour, je peux la prendre et j'ai posé des pocs super OP. Et puis, il y a Mortarion, il y a les princes, enfin le prince qui peut venir chercher. Donc, s'il vient commit, je lui rentre dedans et normalement, je retire son super OP. Et puis, moi, j'aurais placé un petit pied, donc ça se passera bien. T'as pris quoi ensuite? Ensuite, j'ai pris nos prisonniers, l'objectif où il faut tuer autant de PV que possible en face. Il n'y avait pas énormément de bons secondaires faciles à faire ici, notamment parce que mes deux catégories principales, on va voir le troisième plus tard, étaient déjà prises. Nos prisonniers, il y a quand même beaucoup de, entre les pox qui peuvent revenir en vie, les Terminators qui ont 3 PV tête, il y en a quand même beaucoup plus, 14-15, ça va, il y a beaucoup de PV sur la table et ça m'assure normalement un apport de points relativement stable, parce que je devrais quand même arriver à tuer quelques petites choses. J'ai pris pareil aussi, sauf que moi, c'est encore plus tard parce que il y a encore plus de PV que moi et puis il se réanime plus que moi justement. Donc là, normalement, je suis assuré de mettre plus de points que lui, normalement. Ça devrait bien se passer. Oui. Ton dernier secondaire, c'est quoi? C'est le secondaire Nécron, pas celui qu'on voit tout le temps et purge vermine, puisque j'avais déjà pris l'emprise. J'ai pris Ancient Machineries, où il faut que des unités Necron Corps ou Canoptech fassent des actions sur les objectifs du centre de table. Là, il y en a 3. Et je peux faire plusieurs objectifs simultanément, sur plusieurs objectifs à la fois. Et il faut juste qu'il n'y ait pas d'ennemis sur cet objectif. Et même s'il me conteste l'objectif avec du super OP, tant qu'il ne me tue pas l'unité qui est en train de faire l'action, je marque 3 points par objectif et je peux faire plusieurs fois sur le même objectif. Donc sur un bon tour, je peux marquer 9 points. Et vu que quasiment toute mon armée est maintenant corps ou Canoptech, il y a moyen de tenter. Et toi? Il mettra pas 9 points déjà, et je ne vais pas lui contester, je vais le défoncer. Ça va pas être plus compliqué que ça. Moi, mon dernier secondaire, ça va être l'interrupt psychique, parce que j'ai 2 personnages psycheurs, et les psy là, sur cette partie, j'en ai pas trop besoin, à part peut-être un petit miasme de temps en temps, ou des trucs comme ça. Par contre, il y a plein de personnages et quand ils vont être assez visibles, genre le Nightbringer il va s'exploser, donc je vais pouvoir le faire. Pareil pour ces technos, ces cryptos, machin, donc normalement j'arriverai à le faire assez stablement. Quoi. La stabilité, c'est important. Voilà pour les secondaires, puis on se retrouve pour la bagarre. Ok, je vous présente maintenant mon déploiement, on va commencer par là et après on va aller comme ça dans ce sens-là. Alors, comment j'ai fait? Donc en gros, j'ai vu qu'il y avait 3 objectifs qui étaient là. J'ai pris la domination. Le but, c'est en gros de contrôler ceci de manière assez stable. Pour ce faire, j'ai placé en fait un Plague Burst qui va être là pour éventuellement poser un petit pied dessus, pour bombarder un petit peu et pour cloisonner un petit peu ça s'il y a un Nightbringer qui vient ou s'il y a d'autres menaces. J'ai mis l'Epox pour avoir du Super OP pour pouvoir poser un pied assez facilement et puis au moins lui contester parce qu'il y a du Super OP partout. J'ai mis ensuite ce prince démon qui peut offrir un contre-close assez efficace ici, sachant qu'il relance toutes les touches et toutes les blesses avec sa relique. En plus, il n'a pas dégâts 3, donc les spectres et les autres abrutis là, de Scorpec qui vont passer dans un quart d'heure, moi je vous le dis. Il y a Mortarion aussi qui va offrir un contre-close ici, ici et même devant, vu qu'il bouge vite. Il sera aussi là justement pour faire son interopsy, parce qu'il y a des personnages en plus qui sont assez visibles. Ça croustille, donc c'est bien.
Après, il y a la grosse phalange, le gros blob de d'Eshrod qui est là, accompagné des Blight Lords. J'ai mis au centre du dispositif le petit football spawn qui a sa petite relique pour donner le semi-fight last. Donc considéré comme n'ayant pas chargé ni tapé en premier. Je me suis assuré en fait qu'il soit à 6 pouces inclus de ceux qui sont devant, pas ceux qui sont derrière ici. Parce que bon, je pense pas qu'il aille aussi loin. Mais en gros, s'il vient devant moi, je taperai forcément avant. Et en plus, avec mon strata compagnie de Mortarion, enclume de Mortarion, pardon, je pourrais faire les interventions avec les Blight Lords. Donc je pense qu'il n'a pas trop kiffé. Et puis après, j'ai mis Taïman ici qui va faire sa vie, qui va donner des bonus, qui restera sur objectif. Derrière lui, il y a le Plague Burst qui fait exactement la même, lui a bombardé, enfin, ça va être bien. Et j'ai mis Epox ici pour éventuellement couvrir un petit peu ce flanc-là et empêcher un petit peu de trop venir s'exposer. Ça me permet de... Puis en plus, j'ai du super OP ici. Voilà pour mon déploiement, on verra comment ça se passer après la bagarre. Alors, du côté de mon déploiement, j'ai fait vraiment une ligne de départ, toute l'armée est prête à charger. Donc je rappelle que j'ai un mouvement de 6 pas avant que, enfin, une fois que l'on saura qui a l'initiative. Ici, des unités plutôt légères mais solides. C'est quand même un quart de table, si on regarde la table comme ceci, qui est relativement safe, il est assez loin. J'ai mon petit pack de 4 scarabs qui pourra faire quelques actions, notamment de bombes ou l'objectif secondaire Nécron. Des immortels qui sont super OP doublement. J'ai quelques Lich Guards qui sont très solides, qui pourront également faire des actions, etc. On continue avec un autre pack d'immortels qui est là plutôt en renfort. Je vais voir où est-ce que je l'enverrai selon comment se passe la bataille. Et là, on arrive vraiment sur le gros de l'armée. Un premier pack de 6 Corpec Destroyers. Donc, c'est l'une des grosses menaces. Si j'arrive à bien le cliquer, ça peut vraiment faire très très mal à ces unités. Par contre, ça n'a pas d'invue et c'est 3 PV. Donc, il y a certains de ces personnages qui peuvent vraiment me les sortir un pack entier si je les gère mal. On va essayer de bien faire ça. Mes deux QG qui sont juste là, en plein milieu du dispositif de l'armée, pour donner leur bonus, notamment le technomancien qui peut buffer un petit peu tout le monde et ressusciter des unités. On enchaîne avec les Lich Guards qui vont bodyguarder le général qui est là, donc il n'est pas ciblable. En parlant de bodyguards, si on va de l'autre côté, il y a les bodyguards du technomancer qui sont les Crypto Thralls, ces petits bonhommes qui bodyguardent le technomancer de l'autre côté, et 3 Locust Heavy Destroyers qui eux sont vraiment mes gros tirs anti-char. Ils sont pour l'instant cachés, mais selon que j'ai l'initiative ou pas, ils pourront s'exposer pour aller tirer sur Mortarion ou un Plague Burst. Je verrai comment ça se passe. On continue cette grande ligne de départ avec le deuxième pack Scorpec qui est aussi à portée de résurrection s'il commence à y avoir des pertes. Même chose que pour l'autre. Ensuite, le gros monsieur, le Nightbringer lui-même. Je l'ai exposé parce que ça servait à rien vraiment de le cacher, puisqu'avec tous les mortiers qu'il avait en tir de ligne de vue, il allait lui faire de toute façon ses 3 PV par phase de tir. Donc autant, tant qu'à faire, autant le mettre de l'autre côté du mur, qu'il soit prêt à partir et à charger les lignes ennemies si j'ai le T1. Et si je ne l'ai pas, vu que le Nightbringer n'a pas de mouvement de pré-game puisqu'il ne fait pas partie de la dynastie, je l'ai entouré de petits scarabs pour essayer de ralentir les charges au maximum. On a également un pack d'immortels ici. Bon, pas besoin de le montrer, il est caché, il va prendre l'objectif tranquillement, faire ses trucs. C'est juste, voilà, il est là pour ça. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que bon, j'ai 4 Wraiths qui vont pouvoir charger, faire les actions, mais c'est peut-être un piège qu'il est en train de me tendre, hein, parce que je pense qu'il me les sort statistiquement, sauf si je suis vraiment chaud pour mes saves. Et par contre, pour ces Pox, j'ai ce petit monsieur, le Pistolero, l'ex-Mark Destroyer, qui a beaucoup de tirs. Si j'ai le premier tour, je peux aller chercher ces Poxwalkers qui sont juste là. Entre la relique, où je peux lui faire stat quand même quelques BM, plus les tirs, hein, où je peux vraiment lui en tuer pas mal, je peux déjà bien affaiblir son cordon, et qui sait peut-être même aller cliquer son Plague Burst avec les Wraiths. Ça se tente. Donc maintenant, on va passer au jet d'initiative. Let's go, hein, t'as l'impression? On est parti pour le jet d'initiative. J'ai le dé blanc. J'ai le noir du coup. Oh, oui. Ça va très bien. Premier tour. Bon, je n'irai pas l'impacter partout au T1 parce qu'il est assez loin. Par contre, je vais peut-être pouvoir tenter ce que je disais. Essayer de cliquer son Plague Burst avec des Wraiths pour me prémunir de ses tirs contre le Nightbringer. Si je peux éviter de faire mes 3 PV par face pour le Nightbringer, ça pourrait extrêmement m'arranger. Et ça pourrait être décisif pour cette partie. Non, ça pourrait vraiment être cool. On va voir si comment ça se passe. On se retrouve pour mes protocoles de commandement.
Donc, au niveau de mes protocoles de commandement, il faut que je les définisse au début de la partie, contrairement à l'admec ou à tout ce qui est en train de se faire, mais bon, on était un codex de début de V9. Du coup, ce que j'ai fait, alors je les ai mis comme ceci pour bien qu'on sache par quoi commencer. Déjà, je n'ai pas utilisé celui qui me donne des bonus de save si je n'ai pas bougé, parce que forcément, je vais courir de partout et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de tirs. Je commence par le protocole de la tempête soudaine. Je fais ça parce que ça me donne plus un à mon mouvement un petit peu partout. Et ça, ça va vraiment être utile parce que j'ai vraiment envie que cette charge avec les races réussisse. Et de toute façon, là, au premier tour, il faut que je me déploie correctement pour prendre la map. Deuxième protocole, là, ça va vraiment être le cœur de la bataille, normalement. Je pense qu'il va bien m'engager à ce moment-là ou que moi, je vais l'engager. J'aurai plus un fort sur toutes mes unités si j'ai chargé, été chargé ou fait une intervention héroïque. Donc là, ça peut vraiment me faire passer des paliers intéressants contre ces Terminators qui sont rendus 5. Là, moi, j'ai beaucoup d'armes qui sont rendues 5. Je peux leur mettre plus 1 en force. Ça peut vraiment être intéressant. Le reste, troisième, c'est le défensif. Le quatrième, faire des actions en tirant. Enfin, là, après, on verra à ce moment-là de la partie. Mais voilà, l'idée, c'est premier tour, je vais très vite. Deuxième tour, je fais très mal. Et donc, je vais maintenant les cacher, que mon adversaire ne sache pas tout de suite de quoi il s'agit. On se retrouve tout de suite après mon mouvement de pré-game de 6 pas. Comme prévu, tout le monde a avancé quasiment. Donc j'ai déjà préparé principalement ce que je vais faire durant mon T1. C'est pas la peine que je vous détaille trop ça parce qu'on va détailler ça à la fin de ma première phase de mouvement. Sinon ça fera des redites. Mais l'idée, c'est que je puisse faire autant d'actions que possible que je voulais réaliser de façon relativement safe en mettant des gens à couvert. Et surtout, l'objectif, c'est que je puisse aller jusque là-bas avec ces races pour cliquer ce petit monsieur. Si j'y arrive, je suis refait. On se retrouve au début de ma phase de commandement. Donc, début du premier tour, début de ma phase de commandement. Premièrement, j'étais à 9 points de commandement. Je passe à 10 et je vais révéler mon premier protocole. C'est, je sais pas comment il s'appelle, c'est celui qui donne un bonus de plus 1 en mouvement. Eh bien, c'est effectivement la tempête soudaine. Eh oui, voilà. Ah, ça, il a des petits cœurs, il lit dans les pensées, voilà. Forcément. Donc, je vais pouvoir aller plus vite et essayer de l'impacter vraiment, réussir toutes les charges que je souhaite réussir. Et est-ce que tu as quelque chose à faire? Oui, oh, et pas des moindres. J'ai mon Taliman, le compteur. Il va essayer de compter. Donc en gros, je vais lancer 2 dés. Sur un 7 ou plus, je récupère donc un PC, jusqu'à un maximum de 1 par battle round. On va voir ça tout de suite. Et j'ai fait mes limites. C'est pas tout à fait fluff, mais ça marche quand même. Il est facile. Je passe de 7 à 8. Très bien. Donc là, je vais pouvoir entamer ma phase de mouvement. On se retrouve à la fin de celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, ces immortels ici se sont décalés pour mettre quelques tirs d'opportunité sur ces Foxwalkers. J'ai également des scarabs qui se sont mis relativement à couvert, je les utiliserai plus tard. Ces Lich Guards vont commencer à faire le secondaire Necron, Ancient Machineries, là-dessus. S'ils sont encore en vie à ma prochaine phase de commandement, ça mettra 3 points. J'ai mis également des immortels à couvert ici, au cas où qu'ils me les lavent quand même, histoire de garder le contrôle de l'objectif. J'ai 2 gardes du corps, les Cryptostrals, qui protège le technomancien qui est de l'autre côté. D'ailleurs, passons de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout un dispositif qui s'est mis en place. Premièrement, des scorpèques que je n'ai pas trop avancé parce que de toute façon, je n'avais aucune chance de faire des charges et j'aimerais autant éviter de lui faciliter la chose s'il veut, lui, me charger. Le technomancien dont on parlait est juste là, collé pour être protégé. On ne peut pas lui tirer dessus. J'ai d'autres Lich Guards ici qui ont commencé eux aussi à faire le secondaire Necron ici, donc eux en plus ils auront un moins 1 pour être touchés vu qu'ils sont dans la forêt, ça c'est plutôt tranquille. Ils protègent leur seigneur qui est juste derrière et gros tir, ça va être les gros tirs de la phase, enfin de ce tour-ci de mon côté. J'ai mes 3 Locust Heavy Destroyers qui sont à portée de Mortarion. On va voir ce qui se passe. D'ailleurs, pour info, j'ai oublié de le dire, la phase de commandement précédente à l'écran, le boost de l'Overlord qui est main de la du pharaon, qui peut booster 2 unités. Il va booster évidemment les Locust Heavy Destroyers qui vont tirer sur Mortarion, et il va également booster les Lich Guards au cas où que mon adversaire essaye de les charger pour éviter que je fasse le secondaire Necron. J'ai 2 immortels ici qui tiennent l'objectif, rien de spécial.
ils vont rester là toute la partie quasiment. Hein. Au niveau ici, le Nightbringer s'est avancé, et là ça va être relativement intéressant. On va plutôt commencer par les Wraiths. C'est une charge à 6 pour le Plague Burst Crawler, que je vais évidemment relancer si je la loupe. J'ai vraiment envie de la réussir, ça pourrait vraiment m'aider. J'ai avancé l'Exmark Destroyer, couvert par des Scarabs, qui font d'ailleurs le secondaire Nécron ici. Bon, je ne sais pas s'ils vont survivre, mais ils l'essayent quand même. L'Exmark va pouvoir tirer sur les Poxwalkers avec toutes ses armes anti-horde. J'ai des Scorpecs qui sont donc de l'infanterie corps qui sont ici, qui sont juste positionnés pour protéger le Nightbringer qui est ma grosse menace. Et d'ailleurs, en parlant de grosse menace, il s'est mis hors de ligne de vue du Plague Burst qui est en face, mais à portée de vue de ces petits Death Shroud, Terminator, c'est ça le nom ? Pour essayer de leur faire un météore d'antimatière dans la tête. Donc, pour rappel, sur un 1 ou un 2, il ne se passe absolument rien. Sur un 3, 4, 5, je lui mets 3 mortels flat, tuant un Terminator sur le coup. Et sur un 6, D3 plus 3. Je ne sais même pas si c'est relançable. Non, eh ben, allez. Eh ben voilà, voilà. Rien du tout. C'était prévu, hein. Voilà. De toute façon, quand on sort des Ktan, ils font rien, c'est prévu, c'est pas grave. C'est quand même une grosse menace. On va passer tout de suite à ma phase de tir. J'ai fait quelques tirs d'opportunité avec les immortels qui sont là. J'ai retiré un Pox et un PV à un Terminator. Bon, c'est toujours 7 prix. Par contre, là, ce qui va être intéressant, je vais commencer par faire les gros tirs des Destroyers, donc 3 gros tirs anti-char sur Mortarion. Ça, je vais toucher à 2 plus reroll, blesser à 3 plus, pas de reroll. Oh. Donc, 2 plus reroll des As, là, normalement, c'est stable. Stable. Maintenant, je blesse à 3. Il y a un petit As que je vais reroll parce que c'est des attaques 3D3. Faut bien que je l'amortisse, le petit. Voilà, 3 blesses, oui. Bah moi, je viens de la 4, j'enfle tout. Je ferai une reroll aussi, vas-y. Si j'ai un accident. Bon, voilà. Écoute, tu avances. Non, t'as ton arbalète à la con après. Ouais. Non, ça fait plus de dégâts, donc je paye un PC. Je relance. 7, j'aime beaucoup ces dégâts. Mais bah non. Mais oui. Je fais donc 3D3 dégâts, moins 1. Je fais donc 3, 4, 5, moins 1, 4 PV sur Mortarion. 4 Feel No Pain à 5+, parce que Mortarion est extrêmement tanky. Bah, je prends 2 PV. Ah bah, donc, 2 PV pour 3 tirs qui passent. C'est un petit peu décevant, mais on va enchaîner tout de suite avec Monseigneur, qui est juste ici, qui a une arbalète tachyon de l'éternité. Arbalète de mes couilles. Ouais. C'est un tir par partie, par game. De tant qu'à faire, autant l'utiliser tout de suite. Bah, fais ton as, qu'on rigole. Ouais, ouais. S'il te plaît. 2 plus. Voilà, c'était annoncé. Voilà, bah quand ça le don de prévoyance. Le don de prévoyance. Bon, bah, on va dire que c'est pour lui laisser un petit peu d'avance, etc. etc. Il non, assume pas, hein. Là, il assume pas, il essaie. Là, c'est compliqué, bah, écoute, pas trop de tirs. Si, j'ai des derniers tirs, je prends 6 dés, et on va partir du côté de l'ex-mark. Donc, il a fallu préparer plus de dés pour faire, premièrement, la relique, le gantelet du conflagrateur, que ce ex-mark destroyer va faire. C'est une relique qui fait qu'à 12 pages, je jette autant de dés qu'il y a de figurines dans l'unité en face, et sur chaque 6, ça fait des BM. Ça me confla gratter. Oui, je vais tester ça. Tu me gratter. Alors, il y a combien de 6? J'en vois 3. J'ai 3 films de PA6. C'est du Pox, hein, c'est tanky Pox. Mais les 3 morts. Et du coup, on va enchaîner avec les tirs classiques. Donc, je vais toucher à 2 plus reroll parce que c'est un destroyer qui est énervé. Ça va clairement énervé, les gaziers. Et ben non, c'est stable. Il touche à 2 plus déjà de base. Et ça va être du 3 plus force 5, PA beaucoup. Tac tac tac, ça fait 5 qui passent. 5, Finopane à 6, donc ça fait 5 morts. Et du coup 5 morts et il a une capacité spéciale. Chaque fois qu'il fait des morts, il refait des attaques. Donc j'ai 5 attaques supplémentaires de pistolet. Il re-roll les As. Voilà. Les 6 font des mortels, non, je plaisante. 5 blesses à 3 plus. Ça fait 4 blesses supplémentaires. Oh, j'en sauve un, t'en sauve 3 morts. 3 morts, et je renchaîne, non je plaisante. Les attaques supplémentaires ne font pas de tir supplémentaire, ça va être la fin de ma phase de tir. Mais je suis content, j'ai quand même un petit peu amoché le pack de Pox. Oui, un peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. On va passer à la phase de charge, et il va y avoir une seule charge, celle qui va tout conditionner. Tout. Je suis à 9 PC, évidemment je la relance. Les Rays sur le Plague Burst, sur la 6. C'est une charge à 6. Charge à 7. Pas de soucis. Ils vont venir cliquer, ils passent à travers les murs, donc ils n'ont pas besoin de faire le tour.
parce qu'ils ont une forme éthérée, c'est comme des arlequins. En plus, ils pourront se désengager et charger. Trop fort. C'est très bien. Acheter des races, c'est génial. Et on va se retrouver pour la phase de combat. Donc, je vais commencer à taper le Plague Burst. Bon, de toute façon, je pouvais pas l'entourer complètement, vu qu'il est au bord de map, ça aurait été trop compliqué. Par contre, je vais essayer de lui faire quelques dégâts. Je touche à 4+, ça c'est le petit kit de doléance, mais bon, l'objectif c'était de le cliquer. 4+, hop, donc ça saute. Je vais le blesser à 5+, par contre je suis force 6, il est endu 8. Ça va lui faire 1, 2, 3 blesses, PA moins 2. Un vu 5, un PV. Un PV, le PV de la honte. Ça va être long, hein. Il m'en reste 11. Ah oui, on n'a pas fini, mais au moins l'objectif c'était de le cliquer pour qu'il ne puisse pas tirer sur mon Nightbringer qui est tout seul là-bas. Ça me fait gagner du temps et ça se présente plutôt bien. Je suis assez déçu de mes tirs sur Mortarion, mais globalement je suis content de mon tour. On va voir à quel point est-ce que je résiste à son premier tour. Au niveau du scoring, je fais déjà ma domination puisque je contrôle 4 objectifs plus que mon adversaire. Et autre chose à préciser, en plus de cette domination qui me donne 3 points, c'est que les Scorpecs, qui n'ont rien fait mais qui sont entièrement dans la moitié ennemie, ont posé une petite bombe, ce qui est la spécificité de ce scénario. C'est donc une bombe à 3 pas de l'unité, que mon adversaire devra désamorcer, sans quoi, à la fin de la partie, ça me rapportera des points de primaire. Donc voilà, je termine ainsi mon tour et je laisse la main à Hugo. Phase de commandement. Du coup, je récupère un puissant CP. Je vais utiliser ce PC, je passe à 7, pour rip-up du POX. Pourquoi j'ai rip-up du POX? C'est pas forcément pour avoir des figurines en plus. En fait, ce but, c'est de faire un petit cordon, donc de rajouter des figurines. De, avec l'aide du Prince Démon et des POX, venir détruire les scarabées qui sont là et reprendre l'objectif parce que je suis super OP. Mais surtout, en fait, avec le rip-up du figurine, plus ce mouvement et la charge que je vais faire, en fait, c'est de me projeter et de mettre 2 figurines là-dessus, quand même 3. Comme ça, je reprends l'objectif et je mets ma domination. Si je ne fais pas à ce tour-ci, c'est pas trop grave. Enfin, si, un petit peu, mais bon, je pourrais m'en sortir quand même. Donc, du coup, j'utilise mon PC. Je lance 7 dés, parce que c'est chiffre béni. Sur chaque 3+, je rip-up un Pox Walker. J'en remets 7. C'est fantastique, c'est facile ce jeu. Par contre, je ne peux pas m'amuser à faire des cordons de la mort qui tuent. Donc en gros, je vais devoir rester à 2 pouces des figurines qui étaient déjà là précédemment. Donc là, il y en a 7, c'est super. Donc on se retrouve juste après, une fois que j'ai placé mes Pox. Du coup, ça donne ça, grosso modo. Donc faut bien que je fasse attention à la cohésion. J'en ai mis quelques-uns par là pour essayer d'aller me projeter et prendre l'objectif ici. Suite de ma phase de commandement, Mortarion va se donner la fourrure des touches pour aller chasser les spectres qui sont là. En plus, ça me permettrait d'être assez loin du Nightbringer qui est là. Parce que j'ai pas envie qu'il me tire, qu'il vienne me choper, hein, ça serait pas drôle. C'est moi qui vais venir le chercher. Le petit Timon qui est là, il va donner le bonus pour toucher sur le pack de Blight Lord qui est juste devant. Et ça va signer la fin de ma phase de commandement. On se retrouve pour ma phase de mouvement. Et voilà. Fin de ma phase de mouvement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, j'ai fait le choix d'aller chasser eux en étant assez loin du vilain pépère. Donc si je ne tue pas, c'est pas grave parce que en fait je vais diviser son mouvement par deux avec mon aura. Donc en gros il pourra pas même contester l'objectif qui est ici, même s'il ne meurt pas. Je serai en plus assez loin d'ici, enfin du Nightbringer. Ce que j'ai fait donc là, c'est que je me suis rapproché avec les Pox. Alors si je soulève, voilà, ils sont là, ils sont mis juste devant. J'en ai posé 2, comme ça je reprends l'objectif, s'il y a un malentendu. Les scarabées, on se chercherait par les Pox. Là j'ai une charge à 6 à faire avec le Prince Démon. Comme ça, ça pourrait, bon, serait quand même sûr que j'arrive à y laver si je passe à charge. Le full by spawn ici s'est mis au centre et en gros, j'ai rapproché les Pox pour qu'ils soient tous dans la bulle de semi-fight size du full by spawn. Ce qui fait que si je me fais charger par ça ou par ça, je taperai avant. Sachant que les Pox peuvent mettre des BM, mon œil en stratagème. Donc, ils ne seraient pas trop sereins. Donc, tout le monde est grosso modo dans la bulle. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le full base point s'est mis à 18 pouces, comme ça je vais devoir dépenser un PC pour augmenter la portée de son arme de tir. Donc eux, ils vont se prendre et le tir du full base point et le tir du Plague Burst. Si j'arrive à en tuer 2, peut-être 3, ça serait marrant. Puis voilà, là je vais faire une interopsie sur lui, vu qu'il y a un personnage qui est assez gratuit devant, donc je vais deviner. On passe tout de suite du coup à la phase de psy. Je vous propose qu'on fasse le seul sort du Prince Démon, c'est-à-dire l'interopsie qui va passer sur du 3. Ça se passe bien, donc j'interroge son personnage et puis je vois qu'il est sous pression là en ce moment. Il est vraiment sous pression.
ce qui me permet de marquer 3 points. Je suis passé au sort de Mortarion. Il y a un sort important à faire, c'est le miasme, qui me permet d'avoir moins 1 pour être touché, qui passe sur du 6. Je fais 5. Comme j'ai pas envie de me prendre des scorpecs, pas des scorpecs, des destroyers bien énervés, cela dit, j'ai pas beaucoup de PC non plus. Je vais pas les relancer. Donc c'est tout. Et l'autre sort, je peux potentiellement faire un smite pour en péter un petit peu. Mais je m'en fous. Donc je vais pas le faire. Et je peux potentiellement augmenter la portée de la contagion, mais ça ne m'intéresse pas non plus. Donc je vais rien faire. Si j'ai une vitalité putrescente à faire, pardon. Donc c'est pour augmenter la force et endurance, et je vais mettre sur le pack de Poxwalker qui est juste devant, histoire de les faire tanker un tout petit peu plus, ou jamais. Ça passe sur du 7, mais je fais 6, ça me passe pas non. Le petit grandiose. Ça amène à la phase de tir maintenant, un petit peu plus intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par activer le Full by Spawn, et je vais dépenser un PC pour que je puisse tirer à 6 pouces de plus avec mes armes de la peste. Soit 18 pouces. Il va y avoir un des 6 touches automatiques, vu que c'est un lance-flamme, de force 8, vu qu'il a son amélioration, paie à moins 3 dégâts 2 sur les scorpions. Est-ce que tu veux dépenser un PC? Oui, tout à fait, tu as bien deviné. Vous voyez, je suis prévoyant. Je passe de 9 à 8 PC et je vais te donner moins 1 à la blesse pour toute la phase de tir contre les scorpions, vu qu'ils n'ont pas d'invus, c'est leur seul moyen de défense à peu près. Mais moins 1 blesse, c'est bien. C'est fort. Du coup, j'ai un des 6 touches que je peux relancer grâce à mon trait, mon demi-trait. Ça va faire une touche. Bah, ça tombe bien, je peux relancer. J'ai même changé de dé. Eh ben, j'en refais un. C'est solide. Est-ce que je blesse? Je refais un, mais je peux relancer sur une arme de la peste. Et je refais un. Voilà. Statistiquement, c'est incroyable. Voilà, on est bon. On est bon. Quadruple 1. C'est splendide. T'es à la maison aussi. Alors, voilà, je suis posé, là, je bouge plus. Hein. Du coup, j'ai pas encore les tirs, hein. On m'arrête là, on prend ses bons chemins. Ça continue comme ça. Lui, il va essayer de les défoncer quand même. J'ai le tir de Calanthropie et le D6 tir de Plague Burst. Allez, est-ce que je refais un as pour le canon? 4, voilà, quand même. Je touche à 4+, vu qu'il y a la forêt. Oui. Je fais quand même 3 touches. Hein. Je baisse à 3+, moins un 4+, rire des as, parce que c'est une arme de la peste. Ah, je relance le petit 1. Bah bien. Est-ce qu'il y a un problème? Même paire moins 2. Paire moins 2. Dégâts 6. Non, dégâts 2. Donc, 5 plus. Donc, un seul, 2 PV de perdu. Je fais ensuite ces mitrailleuses parce que j'ai envie que ce soit une mitrailleuse qui finisse le premier avant les chronotropies. Mitrailleuse, il y a 3 touches. J'ai force 5, tendu 5, j'ai moins 1 blesse. Je te baisse à 5 plus. Je t'en fais une à paire moins 1, s'il te plaît. 4 plus. Ok. Bon, bah, ça sera un chronotropie. Calanthropie, on touche à 4+, bon voilà, ça arrive au problème. Phase de tir grandiose, hein. Ah oui, là c'est la forêt qui vraiment t'embête. C'est ça, je vais faire le tir de Mortarion, donc sa lanterne. C'est un tir, en gros, bah, ça va être les vrais, en gros. Je peux tirer un trait, mais il n'y aura personne sous le trait, donc je vais toucher à 2, je lance ses as, c'est cassé. Ça touche, attention, ça blesse à 3+, tendu 5, force 8. Ça ne blesse pas. Mais incroyable. Ah, ça c'est. On est solide. On temporise la partie. Ouais. On est solide. Fin de ma phase de tir, du coup, je vais passer à ma phase de charge. La charge la plus importante. Donc, t'as rien qui a chargé des spectres. Charge à 6. Très bien. Clic. Je vais juste me mettre en fait à 12 pouces de toi. 20 pouces de toi, pardon. Ouais, pour être sûr que je te. Ouais, en fait. Ouais, t'es bien. J'ai la charge des pocs à faire. Ça, c'est important. Une charge auto, mais en fait, j'aurais bien juste essayé de me projeter un petit peu ici. Ouais. Si je fais une charge genre à 7 ou 8, en fait, je peux potentiellement essayer de faire de la micro en venant là et en coulissant ici pour me rapprocher d'eux, mais il faudrait voir. Je sais pas encore, j'ai pas encore de visu. Je vais lancer tout de suite les dés pour la charge. Bon, ouais. Je vais la relancer parce que c'est un peu de la merde. Ouais. Ah, voilà, il n'y a pas de question qui se pose. Donc, on se retrouve juste après, une fois que j'ai fait les mouvements. Alors, ma charge, je vois si. Donc, j'ai fait bien attention à garder ma cohésion. J'ai pu en placer que un avec la charge à 9, mais en gros avec le pin je pourrais potentiellement en mettre un deuxième en fait en me rapprochant ici, en venant ici. Bon, je me serais quand même rapproché de lui qui est plus proche. Mes pocs, j'en ai placé 4 quand même pour être sûr d'avoir cet objectif là. Et là en fait j'ai laissé un petit trou tout en gardant ma cohésion pour que le prince démon puisse faire sa charge 1, 2, 3, sa charge à 6 que je vais lancer tout de suite devant vos yeux ébahis. C'est une charge ratée, hein. Eh oui. On est bon, on est bon.
Et vu que ça a déjà été re-roll, bah voilà. Ah là là, quelle tristesse. Ouais, un tour grandiose. Bah écoute, ouais. Je vais activer Pox. En premier, très bien. Bah, j'ai ça à faire du coup. Ouais, t'es sûr, j'ai raté ma char, oui. Donc bon. Alors, j'ai fait la petite manœuvre des Pox, ça s'est joué vraiment à pas grand chose. En gros, donc j'ai étendu mon cordon par là. Le but étant en fait que, donc celui-là était sur l'objectif, mais en gros, il fallait que je puisse en amener un deuxième pour le prendre. Et donc faire ma domination et empêcher de mettre 12 points. Le truc, c'est qu'en fait, il y avait un petit scarab là et un mec là. Et en gros, j'ai pu me positionner. Alors, j'avais pas, au début, j'avais pas vu qu'il y en avait un qui était caché là. Hein. Je pensais qu'il y en avait juste 4 là, il était bien caché, on s'est fait exprès. Mais en gros, j'ai quand même réussi à être en gros à 6,2-6,3 de lui et un tout petit peu moins de 6 de lui. Et en fait, en faisant mon peeling, je me suis donc rapproché de lui. Mais en me rapprochant, en fait, j'ai glissé et j'ai positionné un pied sur cet objectif là. Et en faisant ça, je me suis donc rapproché de lui et maintenant je suis à présent à 5 pouces. Ce qui me permet donc d'avoir deux figurines dessus. J'ai toujours ma cohésion. Mes pocs ont fait un cordon. J'ai tapé, j'ai proprement rien fait parce qu'il m'a sauvegardé avec la magie 6 plus. Donc on va passer à Mortarion et après pouvoir riposter avec ses scarabées. J'ai préparé des Mortarion, j'ai donc 7 attaques. Lui, il s'est donné à full roll des touches et même des blesses parce que les as sont blessés. Donc il touche à 2 reroll, il blesse à 2 reroll. Normalement, c'est stable. C'est très stable. Et c'est moins stable. Mais on relance. On ferait pas d'as, hein. On en fait 2. Ah, bah c'est pas si stable. Je fais 5 blesses. 5, donc 1 vu à 4, parce que j'imagine que c'est la PA de la mort. Oh oui, c'est la PA. Hop. Donc 5 save à 4 plus. 1, 2, 3 morts. Il m'en reste 1. C'est ça. C'est ce qui me suffit. Ce qui me suffit d'ailleurs pour lancer les protocoles de réanimation. J'ai quand même des attaques de. Ah, vas-y, vas-y. Si jamais, hein, si j'ai tué avec un ami. J'ai des 6 attaques. 2 attaques, c'est pas suffisant. Ça touche. Ça fait une blesse. Une blesse à combien? Pas de PA. Hein. Pas de PA, pas donc 3 et il tank. Sans souci. Hein. Très bien. J'ai donc 3 morts, ça me fait 12 dés. 4, 8, 12. Si jamais j'ai 3. 5, tu en reprends pas. Exactement. C'est gentil, tu m'en fais pas 3. Ça fait 2. D'ailleurs, non, j'ai dit 3 morts, donc j'en enlève 3. Ça fait. Donc, il m'en faut que 9. Oui, exact. 9 PV. Et voilà, c'est bon. Hop, 1, 2, 3, il y en a un qui revient. Tout à fait. Merci. Bah, je vais peut-être même faire un petit trick, je vais le rapprocher un petit peu de là-bas, puisque forcément ils vont se désengager et charger plus tard. Donc je vais déjà les retirer et commencer à me rapprocher de là où je veux aller. Ah oui, ça c'est. Tu peux riposter avec tes scarabées. Ah oui, avec mes lourds scarabes qui ont 4 attaques têtes. Il m'a fait 0 PV. Est-ce que. 0. Oui, 0. J'ai fait un double 6 à la save, ce qui est ouf. Et tac, ils ont tous donc. 1, 2, 3, 4, j'en aurai un peu plus après. Il touche à 4. 1, 2, 3. Il y a une blesse auto avec un 6. Oui, exact. Et tu blesses à 5, j'ai quand même rendu 4. Hein. Mais oui, il est solide le monsieur. Ok, ouais. T'es plus fort que moi, t'es plus endurant, c'est j'ai vrai. Deux signes pas à 6, est-ce que je vais réussir aussi à faire les doubles 6? Eh oui, les doubles 6 magiques. Non. Non, par contre, 5, 1, ça fait 6. Ouais, ça fait donc 2 morts. Cela dit, 2 morts, mais ça me permet quand même d'avoir l'objectif. Résumé du tour, donc comme j'avais dit, j'ai réussi à faire mon petit tricks un petit peu tiré par les cheveux avec les pox, donc c'est-à-dire mettre ma domination, diminuer un petit peu, enfin lui retirer des primaires. J'ai mis mon interruptie avec le prince démon sur son destroyer qui est juste en dessous caché. Mortarion a tué 3 specs, il en a ripop 1. Lui en contre-attaque, il ne m'a rien fait. Donc je mets en fait 3 et 3, 6 points de scoring tout simplement. Et puis, ma foi, je crois que c'est tout. Tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est tout. Bah, tu as réussi à faire ta domination avec ton petit trick, ce qui était vraiment important. Sinon, toi, tu faisais pas de domination, tu perdais 3 points. Moi, j'en avais 4 de plus. Ça commençait à faire vraiment un vrai différentiel. C'est ça. Et bah, c'est là que tout va se jouer autour d'eux. Là. C'est ça. Là que ça va devenir. Moi, je dis, il y a un karma. Parce qu'il va avoir un retournement de situation. Ça va lui faire les pieds. Voyons ça. On se retrouve pour le début du tour 2. Début du tour 2, déjà, phase de commandement, mon scoring. Je marque 8 points de primaire puisque je contrôle 2 objectifs, mais pas plus que mon adversaire. Par contre, j'ai fait mes 3 actions dans le centre de table sur les 3 objectifs puisque ces scarabes ont survécu puisque le prince démon n'était pas là. Ce qui fait que je marque 3 points par objectif. Je marque donc déjà 9 points sur ce secondaire en un tour. Et bien sûr, je vais le recommencer, etc. Donc voilà ça. C'est plutôt agréable. Phase de commandement, qu'est-ce que j'ai à faire? Déjà, ceux qui avaient perdu des PV
en régénère. Par exemple, ce Scorpec qui était un petit peu blessé passe de 1 à 2. On va le changer juste après. Phase de commandement aussi. J'ai eu aucune perte ici, je n'ai rien à relever. Par contre, le Lord, qui est la main du Pharaon, va donner son plus 1 à la fois aux locustes qui vont retenter de tirer sur Mortarion, et c'est une portée à 9, augmentée de 3 par son trait de seigneur de guerre. Il va pouvoir atteindre les Scorpec et leur filer le plus 1 to hit, puisque les autres Scorpec étaient trop loin pour tenter des charges. Par contre, là, je vais pouvoir tenter de taquiner soit le prince démon, soit les Terminators. Je vais voir comment ça se passe, soit Mortarion, pourquoi pas, soyons fous. Et voilà, on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. J'ai un petit truc à faire avant. Ah oui, exact. Excuse-moi, je peux jouer. Hein. Je vais tenter de récupérer sur un PC sur un 7+ avec lui. Aptitude, donc sur un 7. Non, tu fais 3. Et ça, tu pourras le retenter à ta phase de mouvement. Donc, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Je vais commencer déjà, j'avais oublié de préciser mon protocole pour ce tour-ci, qui va m'être fort utile, je pense. C'est le protocole du Hungry Void, c'est-à-dire que si je charge, me fais charger, intervention héroïque, tout ça, je vais avoir plus 1 en force. Sachant qu'en plus, toutes mes unités corps peuvent avoir bien un stratagème plus 1 en force encore, ça peut me permettre de déverrouiller certains paliers intéressants. Maintenant, phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été relativement offensif, mais tout en essayant quand même de maximiser les points et non pas la létalité. On va commencer par ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai avancé les immortels pour avoir quelques lignes de vue pour tirer. Surtout, j'ai mes petits scarabs qui se sont mis ici de façon très dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'ils vont eux-mêmes poser une bombe. Alors je rappelle que les bombes, en fait, c'est jusqu'à la phase de commandement prochaine où je dois rester en vie. Sauf si je suis objectif sécure, ça tombe bien, toute mon armée est obsèque. Du coup, ici, les Lich Guards refont l'action qui m'avait rapporté déjà 9 points au tour précédent. Donc ça, ils vont tenter de rester en vie. J'espère que ça va bien se passer. Les Immortels gardent un pied ici au cas où qu'ils fassent vraiment beaucoup de puissance de feu pour que je garde cet objectif. Et pourquoi ils sont encore donc comme ceci ? Car de l'autre côté, au centre de la table, j'ai mis le Technomancien ici un petit peu plus éloigné. Toujours à portée des deux Bodyguards qui sont cachés ici. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est qu'il puisse ressusciter tout le monde en bulle autour de lui. J'ai mis donc forcément les Immortels à portée, j'ai mis des Scorpec, les Lich Guards qui sont sur l'objectif, et les Locust Heavy Destroyer, que j'ai un petit peu éloigné, mais tout en gardant à portée du Technomancer. Ils se sont décalés pour avoir des lignes de vue sur Mortarion, qui sont juste à portée, et ils vont pouvoir continuer à tenter de l'amoindrir. Tout le monde ici au centre reste à peu près défensif. J'attends que lui, il vienne, parce que mes charges étaient vraiment, vraiment pas sûres. Alors que lui, vu qu'il ignore les malus de moins 2 au mouvement et à la charge, forcément, il m'aurait impacté, si moi je le loupais. Donc je vais le laisser venir. Donc ça, c'est ce que je fais au centre. Ici, petite chose tricky, les Wraiths se sont désengagés de Mortarion, et elles peuvent désengager et charger. Ce sont vraiment des petits arlequins. Donc elles vont venir recharger le Plague Burst juste derrière, et se mettre hors de portée d'intervention héroïque. Ensuite, ici, il y avait un petit peu de monde, comme vous vous rappelez. Ce qui s'est passé, les Scarabs se sont désengagés, donc ils fly, ils vont à peu près où ils veulent. Ils sont mis ici, toujours avec un petit pied sur l'objectif, mais ils ne pourront rien faire de plus. Par contre, les Scorpecs se sont mis ici. Je rappelle qu'ils ont le plus 1 jusqu'à la phase de commandement prochaine de mon côté, à la touche, et ils vont forcément tenter de venir voir le monsieur ici. Alors il y aura des interventions héroïques qui vont se faire laver, mais j'espère qu'ils feront des dégâts. En parlant de dégâts, le Nightbringer s'est mis ici. Il va pouvoir lancer quelques sorts que l'on verra juste après. Et enfin, le Pistolero s'est mis en haut de sa tour pour avoiner autant que possible au tir. Il est stylé ici, mais surtout, il a laissé la place au Scorpec pour être sûr que la charge contre le Prince Démon qui a full reroll, touche, blesse, save, j'exagère, puisse mourir en une seule phase de combat. Ça va être assez intense. Il ne pourra pas m'interrompre puisque j'aurai qu'un seul vraiment gros combat intéressant. Ça va être chaud. On va passer à la phase de fausse magie, la phase des pouvoirs K'tan. Je vais premièrement lancer mon petit météore d'antimatière. Sur l'unité la plus proche, on voit clairement que ce sont les Pox. Ils vont se prendre un météore. Ouais, 1, 2, il ne se passe rien. 6, ils se prennent des 3 plus 3. Ils vont donc se prendre 3 plus 3. Ouh là 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 là. 6 mortels dans la face. Ben voilà, premier tour ici, c'est l'échauffement pour le K'tan. Ben ça fait 6 morts. Voilà, qui devrait me laisser quelques lignes de vue. Avant que tu les enlèves, je vais faire le sort suivant, qui va être le sort spécifique du Nightbringer. Je vais cibler
le prince des monstres. C'est une figue à 9 pas, enfin une unité à 9 pas, pas forcément la plus proche. J'ai 3 dés sur chaque 4 plus, ça fera D3 mortels. 2 D3 mortels sur le prince. Oh, sur le prince des monstres, ça fera 3, 4 mortels sur le prince des monstres. J'ai rude. Et je vais maintenant, donc c'est la fin de la phase des pouvoirs tels qui est plutôt bien, ça se rattrape. Ah oui? Oui. Et on va se retrouver ensuite, une fois qu'il aura fait ses pertes, pour la phase de tir. Alors, phase de tir, on a fait les petits tirs à côté. J'ai fait un PV avec ses immortels sur le Plague Burst. J'ai fait un Pox avec ses immortels. Enfin, j'ai tué un Pox. Et surtout, le Pistolero a tout mis dans les 4 Poxwalker ou 6 qui restaient. Ils sont tous morts, mais genre de justesse au dernier tir. Donc, maintenant, on va passer au tir un peu plus intéressant, c'est-à-dire les 3 Locust Heavy Destroyer qui vont tirer sur Mortarion. 3 tirs à 2 plus reroll. Bon, normalement, c'est stable. C'est stable. Et je vais claquer un PC parmi ces 3 blesses. Et je passe à 7. Et l'une d'entre elles va être une blesse automatique. C'est le stratagème qui s'appelle Techno Oracular Targeting. Je te fais donc 2 blesses à 3 plus. Ben, il n'y en a qu'une. Enfin, j'ai fait un as, mais ça te fait quand même 2 blesses. Est-ce que je reroll celle que... Est-ce que je veux vraiment t'en mettre plein la gueule? Oui. Je vais reroll, donc je passerai à 6 PC, 3 plus, et ben voilà, 3 blesses. Bon, moi c'est pareil, hein, j'en rerollerai une comme la dernière fois. Bah, j'en reroll une, hein. Parce que j'ai envie de tanker un petit peu quand même, tonton. C'est bon. Ah ben voilà. Voilà, 2 PC, le tanking. Je dépense 2 PC, il en dépense 1, mais bon. Ah bah, il fallait tenter, hein, ça lui aurait fait très très mal. C'est facile ce jeu, c'est facile. Ouais, trop facile. Quand les invus passent bien, bah écoute. C'est pas grave, maintenant on va passer à une phase un peu plus intéressante, la phase de charge, où j'ai quelques petites actions intéressantes à faire ici, mais de toute façon, là je fais beaucoup de scoring, ça me fait assez plaisir. Pas moi du tout. Donc là, si je peux prendre assez d'avance dans ces premiers tours et survivre surtout aux combats qui vont avoir lieu, ça pourrait me donner un bon avantage. Phase de charge, je vais commencer par les charges automatiques des races. Bon, petite charge à 4, heureusement que c'est eux qui les font. Donc par contre 4, ils vont se mettre, bon, je ferai les mouvements après, mais ils vont se mettre un peu éloignés de Mortarion. Charge ensuite des Scorpec sur le monsieur. Est-ce qu'il a de l'Overwatch potentiellement? Non. Non. Charge à 4, facile. Charge à 7, c'est bien. Maintenant la grande question, est-ce que je charge le Nightbringer, sachant qu'il va me faire des interventions héroïques, etc. Faudrait que j'arrive à placer le Nightbringer hors de portée de Mortarion. Mais ça permettrait d'être sûr de découper le prince. Sûr de découper le prince. Est-ce que je le fais? C'est une charge à 6. Ah, je suis sûr. 6? Ouais, 6 ou 7. Oui. 6? Ah non, 7, 7, t'as raison. Est-ce que je la tente? Allez, je la tente et on fera un micro derrière pour essayer d'éviter les coups de Mortarion. Charge à 7, ça marche pas de toute façon. Ça règle le souci. Bon, on fait nos petits déplacements et on se retrouve au début de la phase de combat. Alors, phase de combat, là il y a un gros combat essentiel ici. Mes Scorpec ont chargé le prince démon. Parce qu'il n'y en a que 5 qui pourront taper, puisque si je me rapprochais trop pour faire taper tout le monde, Mortarion pouvait faire une intervention héroïque. Et c'était pas exactement ce que je voulais. Du coup, j'ai 6 attaques qui sont fortes. Enfin, la force on s'en fiche parce qu'il a une transhumane. 6 attaques, dégâts 2. Et 12 attaques, dégâts... Dégâts 2 qui passent. Oui, dégâts 2, c'est ça. Du coup, les noirs, ce sont les dégâts 2, après réduction de dégâts. Les blancs, ce sont ceux qui passeront dégâts. Je touche à 2+, grâce au bonus de l'Overlord. Reroll des As, heureusement, car ce sont des destroyers, ils sont énervés. Hop. Il y a quand même l'As de politesse. C'est gentil, j'apprécie. C'est normal, c'est poli. Je vais le blesser à 4+, parce qu'il a une transhumane. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle pour toi, mais... Bon, il est imposant. Il est imposant, très bien. 4+. Foiré, ouais. Et il a pas de reroll. Ah vache. Hop. Hop. En vrai, je crois que c'est stat, un 4+. Ça va, tiens. Donc, ben... J'ai un petit 3 là. Oui, exact. Je te laisse les relancer. Donc les deux font des dégâts 2, et les blancs font... Ça fait beaucoup quand même, hein. C'est PA 3 et 4. Il me reste 5 PV, je suis pas sûr à un tour, mais bon, on y va. J'en rentrerai un si ça change. Au point de cul, ouais, ça peut changer. Ça peut peut-être changer, effectivement. Ah, alors, le 2. 2. Ouais. 3, 4, 5. 5, 6. Non, et... On a fait mon calcul, donc je vais relancer effectivement le dégât 2 si j'ai réussi. Le tonton, il tank.
Eh ben non. Voilà, c'était un piège, je te fais dépenser un PC pour rien. Bon, on va enchaîner tout de suite. J'ai 8 attaques de race sur le Plague Burst. Touche à 4. Donc j'ai un vu à 5 du coup. 2 PV. Bah 2 PV en plus, petit à petit. Hein. Tant qu'il reste cliqué, il ne tire pas dessus et en plus il meurt. Bon, ça va signer la fin des combats, j'ai oublié personne. Tour 2, plutôt bien. Plutôt bien. Il a encore des grosses grosses unités, les Terminators qui sont là. Donc on va voir ce qu'il va en faire. Mais pour l'instant, c'est à lui de venir me chercher. Donc voyons voir à quel point est-ce que je vais me prendre plein la gueule le prochain tour. Voilà, je pense que je vais me prendre plein la gueule. Oui. Je marque ma domination, ça oui. Donc je gagne 3 points. Et je suis en train de faire mes actions du secondaire sur ces deux-là, donc on verra comment ça se passe au prochain tour, mais je marque déjà 3 points de plus de domination. Pose de commandement, je récupère donc un point de commandement. Je vais marquer que 4 points parce que j'en contre aucun. Je vais dépenser de suite mon PC en fait pour repop des pox, mes pox qui sont là. Le but étant en fait de gratter un petit peu de pas et en fait d'aller chercher les scorpèques qui sont ici. Et en fait, étant donné qu'ils sont infanteries, si j'arrive à en tuer plusieurs, je pourrais potentiellement repop du pox ici, afin de mettre ma domination. J'ai mesuré, j'ai une charge à 8 à faire avec les Black Thorns qui sont ici sur les Scorpex. Si la charge passe, ce serait très bien. Si elle passe pas, je ferai en sorte en fait d'être dans l'aura de l'abus de Fight Last, entre guillemets, du Full Blight Spawn, ce qui fait qu'en fait, j'ai mis tracage, je me ferai pas quand même impacter mes Black Thorns. Là, j'ai une charge à 4 à faire sur les Scorpex. Donc si ils impactent les Scorpex, pardon, ils vont passer un très mauvais quart d'heure. Mortarion ici va s'occuper de eux et potentiellement de eux. Enfin, il va choisir. Hein, si j'arrive à passer la charge, je pense que je devrais laver ça. Je me prendrai au retour du bâton Nightbringer, mais bon, il pourra pas tout gérer non plus. Et puis, voilà. Donc, j'ai dépensé mon PC. Je vais ripop des pox. Et par contre, j'ai quand même un jet de dé à faire pour essayer de potentiellement récupérer un PC avec lui sur un 7. Ah non, toujours pas. Il ne récupère pas aujourd'hui. Il est mauvais. Il donne quand même plus 1 pour toucher sur le pack de Terminator d'Eshrod ici. Mortarion se donne à full rance sur lui-même. Et je vais lancer certains dés pour eux. Il m'en a tué. Alors, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il m'en a tué quand en fait? Non, ça ne sert à rien en fait. Du coup, ça ne sert à rien. Donc, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. On se retrouve pour ma phase de mouvement. Voilà. Fin de ma phase de mouvement, donc en fait j'ai dit ce que j'avais dit que j'allais faire, hein. Je sais pas si c'est français, mais bon. Donc j'ai un petit peu avancé, là j'ai ma charge à 4, là j'ai ma charge à 8, là j'ai peut-être plutôt chargé eux pour essayer d'aller les buter si possible. Bon, j'y crois pas, mais on sait jamais. Comment ça s'appelle? Le bidule machin chose, là il va éventuellement essayer de mettre des coups de mortier dans lui. Si je peux lui faire tomber ses PV, ça serait rigolo. Ou alors dans eux, je vais voir en fait au moment venu. Là donc je me suis mis là en fait, il englobe un petit peu tous les personnages, enfin tous les thermiques pardon. Donc si je rate ma charge au moins il viendra pas m'impacter gratuitement. Donc, je reste engagé, je vais mettre des coups de calanthropie, on sait jamais, si j'arrive à en tuer un ça serait rigolo. Deux ça serait parfait. Mortarion s'est positionné là, il va faire son interruptie. Et il va tirer et il va charger et j'espère qu'il va faire le taf cette fois-ci. On se retrouve pour ma phase de magie. Et bah début de ma phase de magie du coup. Je vais faire mon interruptie, cette fois-ci ça va être le Nightbringer, hein, c'est un personnage, donc ça passe. Donc je l'interroge psychiquement, mentalement, donc je mets encore 3 points de victoire. Alors, phase de tir, cette fois-ci, parce que j'ai à faire en phase de psy, vu que c'était une action psy, du coup ça remplace mes pouvoirs. J'ai déjà les premiers tirs sur les Vrace ici, on sait jamais si j'arrive à les tuer. Je vais faire les deux tirs de calanthropie. Touche à moins 1. Donc là, à 4 plus. Hein. Oh, attention, attention. Oh, il faut double save. Bon, il y en a déjà une qui est savée. Il fait aucun effort. Voilà. Le mortier est perdu, elle est mitrailleuse. Non, monsieur. Il a décidé que c'était non, c'est non. Je vais faire le mortier du machin, du Plague Burst, oui. Sur le Nightbringer. Et comme entropie, j'ai pas de cible. Du coup, ça tellement si j'ai, si j'ai les scarabées que je vais retirer dessus. Est-ce que juste se passe par la forêt, ça a moins 1 même. Ouais, j'ai moins 20 tout à fait, mais je vais mettre ces mitrailleuses sur eux. Ah, tu as bien raison. Mais comme entropie sur eux. Et donc le décitier de mortier dans lui. D'accord.
Je vais faire ici décideur de canon, enfin de mortier. Ça cinq. Sera 5 tirs. Allez. Attention, attention, monsieur s'énerve un petit peu. Ça a touché à 4+. Ça fait 2 touches. Oui. Et ça fait 2 blessures. Parce que je suis force 8. Force 8, oui. Un vu à 4. Un seul PV de perdu. Et 2 PV, dégâts 2. Dégâts 2, bah 2 PV de perdu. Fort. Les sœurs des canons anthropiques qui cette fois-ci vont toucher à 3+. Ça en touche 1. Ça en tue, hein. C'est... Oui, c'est... Oui. C'est des dégâts beaucoup trop pour toi. Et les tirs de mitrailleuse. Ça fait un fantastique PV. Ensuite, j'ai quand même les tirs du faux Blightspawn, donc le lance-flamme. Espérons que je fasse pas encore 4-1 d'affilée. Donc 4-6 d'affilée. Alors, j'ai une portée de 12 pouces, je vais potentiellement la booster. Est-ce que j'en ai spécialement envie? Écoute, ouais, je vais essayer de péter un petit peu du fonctionnaire. Donc, j'ai payé un PC. Ouais, surtout que le moins 1 de la forêt, tu t'en fiches. Exactement, donc 2 PC. Si j'arrive à en tuer quelques-uns, ça serait marrant. T'as une enjeu à 4 avec eux? C'est ça. Tu viens de merde. J'ai des 6 tirs que je reroll. 1. Je vais quand même reroll. 1. C'est vrai. C'est fantastique. Est-ce que je blesse? Oui. C'est pour combien? Pour ce 8. Oh, oui, oui, largement. Donc, le Blightspawn est relativement efficace. Fait à moins 2 du coup, c'est ça? À moins 3. Bon. L'un vu, il va la réussir. À 4, et voilà. Voilà, je vais me faire foutre. Les invus passent bien. Ah putain, la vache. Mortarion va mettre son coup de lanterne. Oui. Donc lui, il a plus de 2 PV. Dans eux. Les Scorpeg? Scorpeg. Je te touche à 2. Oui. Je te touche. Je te blesse. PA, moins 3. Dégâts, 3. Ça y va 6. Si je fais un 6... Non. Eh, hey, ça en tue un. Protocole. 3. Non. Donc ça en tue un. Sec. C'est pour le... Ça y est, ça y est, ça y est. Là, on se réveille. Là, on se réveille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire comme autre tir? J'ai les tirs des moteurs, mais ça va rebondir sur la 2+, donc j'ai pas spécialement envie de gaspiller des ressources pour ça, enfin du temps. Là, j'ai du lance-flamme, mais ça, j'ai pas vraiment de cible. Si, j'ai potentiellement E. Potentiellement E, donc ça dépasse un petit peu, donc en fait, je vais te les faire. J'ai exactement, je vois tout, 5 des 6 tirs. C'est pas rien, hein. Ce n'est pas rien. Donc 5 des 6 touches auto, c'est du lance-flamme. J'enlève celui qui était mort. Ouais, je vais mettre, enfin, je vais lancer les dés ici. Donc les touches, ça en fera. 10, 15, 18. Et je suis à portée de contagion. Donc tu descends en du 4, mais ça ne change rien. J'ai force 3. Donc ça en fait 18. Qui vont me blesser à 5. C'est à 5 avec une erreur des as. Je ne suis pas à portée de la fourrure des blesses de Mortarion. Donc avec du 5, ça en fait une. Hop, 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 hop. Je reroll les deux as. Et j'en fais une blessure de plus. Ça t'en fait un total de 7. Tiens, je t'en prie. 7. Ça n'a pas me porté chance, ça. Tu me bénis. Ça y va 3, bah tiens, c'est dégâts. Dégâts. Donc un mort et un PV sur un autre. Eh bien, et ben, coup, c'est cocasse. Ils ne sont jamais triple 6. J'ai vu le premier, très bien, donc un autre mort. Eh bien, ça s'amenuise, hein. C'est long, mais ça s'amenuise. Hop. Fin de la phase de tir, par contre, la phase de charge arrive. Ouais. La phase de charge est très importante. Alors. Je vais commencer par la charge de Mortarion qui va déclarer les Scorpec et les Scarabées, donc les deux. Il va après se mettre hors de portée d'intervention héroïque du vilain ici. C'est une charge assez facile, ça fait quand même 5. Je vais me déplacer à 5, voilà, je vais me mettre ici, je suis content, je suis à plus de 3 pouces. Je souhaite me mettre à plus de 3 pouces de ce vilain, voilà, 3,5. J'ai la charge à 4 Déterminator sur eux. C'est passé. Ils vont passer un très sale quart d'heure. Hein. Ah oui, là, ils sont mal partis. Là, ils vont passer un très très mauvais quart d'heure parce que les Deschrod, ça. Hein, t'as chargé les Canoptech aussi? C'est ça? Les Scarabées? Avec Mortarion, oui. Ouais. Et j'ai pour finir la charge fameuse du Pox. Pox qui ont une charge à. Attention, j'ai oublié, j'ai mesuré, mais j'ai oublié. Charge à 4. Dans vos yeux, vous ébahissez la charge à 4. Conduit aussi, charge à 9. Je préfère que c'était avant. Alors, j'ai réfléchi quand même, j'avais dit que j'allais charger, en fait, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une charge à 8, ouais, c'est gamble. Mais surtout, si j'ai réussi déjà, je suis plus dans Arm of Full Blightspawn, en fait, j'ai fait mes stats, je suis même pas sûr de les tuer. En fait, dans la riposte, bon, je vais peut-être en perdre un ou deux, mais surtout, je vais me prendre un Linebanger qui peut, s'il est déter, venir ici, je vais me prendre des factionnaires. Là, il y aurait mon perso qui serait un petit peu tout seul, donc je préfère en faire
avoir une grosse enclume là, qui est grosso modo un charlat, parce que dès qu'il va me charger quelqu'un, je vais taper en premier, les scorpèques, ils vont pas kiffer. Les mangueurs non plus, ils seront à ces 3 PV, donc je préfère rester safe, avoir une menace qui est stable, plutôt qu'un petit peu m'éparpiller. Voilà. Du coup, phase de corps à corps, hein, le combat, les grands combats. Je vais commencer par activer ici. Évidemment. Et je suppose que tu vas me claquer ton malus. Il me reste 6 PC. Non, c'est parce que ils vont se faire laver par Mortarion et les Deathroud. Je vais les laisser mourir, bravement. Ok, bah écoute, je vais faire ma conso. Parce que Mortarion, il est en contact avec les Scorpèques aussi. Oui, on peut ils vont pas. Hein. Non, en fait, ils sont apportés de la foule, l'archi-contaminateur, donc ils vont toucher. Bon, ils vont relancer tout leur jet pour toucher, parce qu'ils ont plus 1, moins 1. Avec leur armement, donc on touche à 2, reroll des As. Ils ont force 7, je mets moins d'endurance, ils me laissent à 2, reroll des As. C'est du dégât de 2, perd moins 3. Donc il va mourir, je pense. Oui. C'est pour ça, même avec un moins 1 en blesse. Ouais, je pense que il va juste reprendre un petit peu là. C'est à 4 attaques par bonhomme, le champion en a 5, donc je prends des dés ici. Donc, activation des Deathroud comme prévu, bah, ils ont Astro défoncé, ils ont Tétra poutré même les Scorpèques, j'ai fait un total de 32 PV. Ce qui est largement suffisant. Oui. Donc, les Scorpèques volent, pose des corps, il n'y a pas de protocole. Voilà. Ça me permet de faire ma consolidation, du coup, 3 pouces vers les plus proches. Donc, je vais me rapprocher comme ceci, tout simplement. Positionner un max de figurines sur les objectifs parce que je vois Nightmanger qui arrive à grandes enjambées. Je vais activer Mortalon qui va taper ensuite les Scorpèques. On se retrouve une fois que les autres étaient trapoutrés. Hein. Bah, Mortarion a tué eux. Bon, il a quand même fait un doublas et redoublas ce stade outil là. Donc il en a tué 5 net, hein, il fait pas un de moins. Au moins il a tué, du coup en fait il va juste faire sa conso au milieu. On va activer du coup les pox qui sont là. J'ai quand même fait attention à garder un petit cordon sur objectif parce qu'en fait il pourrait potentiellement bouger avec eux, charger, mais en gros j'aurais quand même 3 figurines, dont un super OP, ce qui fait qu'il ne conteste pas objectif. Et là en fait, vu que c'est lui qui a pris l'épée, ce sera lui qui mourra. Et en fait, ce sera lui, enfin ces deux-là qui seront encore en vie, et avec leur mouvement, ils peuvent pas aller sur l'objectif ici. Donc là, l'objectif est à moi, il sera pas à lui. Voilà. On se retrouve une fois que j'ai fait les attaques. Hein. Fin de ma phase de corps à corps, en fait. Donc les Pox ont réussi à tuer le dernier Scarab. Les deux autres abrutis en retour m'ont tué 4 Pox quand même. Il faut le dire. Du coup, niveau scoring, en fait, je mets juste 3 points d'interruptie. Nos prisonniers, par contre, j'en ai tué pas mal, mais on comptera après. Domination, je ne fais pas ce tour-ci, mais bon, je pense que je me réserve pour les prochains tours. Mm-hmm. J'espère. Hein, Inch'Allah. Du coup, début de mon tour 3, je vais commencer par révéler mon protocole, qui est celui des légions éternelles qui ne meurent pas. Ce qui va faire que j'ai le choix entre soit régénérer 2 PV ce tour-ci par figue qui a perdu des PV, sauf qu'évidemment ça ne marche pas sur le Nightbringer, ça m'aurait fait très plaisir. Du coup, je vais prendre l'autre aspect et je vais pouvoir relancer un jet par protocole de réanimation. Ça, c'est ce que je vais faire. Phase de commandement. Qu'est-ce que je vais booster ? Avec le... Pourquoi je pense à... Non, je vais pointer au doigt. Avec l'Overlord qui est ici, je donne toujours des buffs puisque c'est à la main du Pharaoh. Je vais booster toujours les Locust, je vais continuer d'essayer de taquiner Mortarion, peut-être qu'il y en a une qui finira par passer. Et je vais booster cette fois-ci les Scorpèques. Les Scorpèques parce que je sens qu'il va venir m'impacter et c'est eux qui pourront vraiment potentiellement avoir du répondant. Phase de commandement toujours, je dépense 2 points de commandement pour changer le sort du Nightbringer. Donc le sort qu'il connaît forcément en tant que Nightbringer, je ne peux pas le modifier. Par contre, son sort de météore antimatière va être modifié par un sort qui permet de placer le Nightbringer quelque part et toutes les unités à 9 pas autour sur un 4+, se prendront des 3 mortels. Ce qui veut dire que là, à portée, il va y avoir Mortarion, ses Terminator Death Shroud et ses Terminator Blight Lord, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc ça va potentiellement, ça peut faire de l'ABM. On va voir si les dés sont avec moi, mais oui, là maintenant que je suis au cac, il faut que je garde ce pouvoir psy-là. Et ça va être tout pour la phase de commandement. On va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Et j'ai un petit truc à faire. Cette fois-ci, on va voir si le Tyman arrive à faire quelque chose. Je prends un dé blanc, deux dés blancs, parce que les dés noirs, c'est pas une réussite. Et bah, les dés blancs non plus. Ça, voilà. Ça, c'est le destin. C'est ton dieu t'a abandonné. Ouais. On se retrouve donc à la fin de ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va voir flanc par flanc parce que ça dépend. Ici,
Pour ces immortels, je me suis laissé un petit peu de distance, mais je me suis mis en portée de Rapid Fire pour tout mettre sur les Poxwalkers. Vous noterez qu'il n'y a plus de scarabs parce qu'ils se sont envolés, ils se sont mis en haut du bâtiment, juste à portée, enfin hors de portée de vue des mitraillettes du Plague Burst Crawler, mais assez proche pour qu'au prochain tour, je puisse aller à peu près où je veux, prendre un objectif, poser une bombe, on verra ce qu'il y aura besoin de faire. Ici, les Lich Guards qui n'ont plus besoin de garder l'objectif puisqu'il n'y a plus besoin de faire le secondaire Nécron qui a été maxé, se sont avancés. Les Immortels se sont mis en ligne ici pour garder un pied sur l'objectif tout en restant relativement planqué. Ici, on a un petit peu rebattu les cartes, mais l'objectif, ça va être d'attendre sa charge, puisque tant qu'il a un fight là, c'est moi qui me mets dans l'embarras à me dire que je vais tenter de le charger, peut-être, à essayer d'optimiser. Non, je vais attendre que lui, il vienne, parce que tant que moi, je suis sur l'objectif en étant obsèque, c'est moi qui marque des points, donc c'est lui qui va être obligé de venir. En plus, mes Scorpec ont plus un hit, ils tankent bien, donc ça devrait bien se passer. Mes Locustes, qui étaient toujours à portée de Mortarion, n'ont pas bougé. Ils ont peut-être même dû se reculer un petit peu. Bon, mais non, ils sont bien ici. Si je vais les reculer de quelques pas, je vais les mettre sur l'objectif juste après. On a ici le Nightbringer qui, comme je le disais, ça c'est plus intéressant, s'est mis à portée de sort des Blightlord, des Deathshroud et de Mortarion pour faire son sort. Et juste avant qu'on les lance, le petit Hexmark Destroyer va poser une bombe à trois pas. Il va la mettre ici. C'est chiant ces bombes. Et voilà, parce que tirer au pistolet force 5 sur Mortarion, c'est pas forcément le truc le plus opti à faire. Il va donc rester là. Dernier mouvement qui n'a pas eu lieu, les Wraiths sont restés ici. Ce qui peut être intéressant à dire, c'est que j'avais le choix entre rester ici ou aller cliquer l'autre. C'était facile pour les deux, sauf que l'autre, elle n'a pas beaucoup de lignes de vue, ou alors ça passe par des forêts, c'est vraiment pas top. Alors que lui, si je le retire, il va tout mettre dans mes Scorpecs, il va m'en sortir plusieurs. Donc c'est mieux que lui reste cliqué toute la partie, et puis je vais finir par le tuer au tour 5 si ça continue. Peut-être que c'est moi qui finis par le tuer. C'est vrai, c'est vrai. Donc on va tout de suite faire les sorts, enfin non pas des sorts, les pouvoirs cosmiques du dieu K'tan. Je vais commencer par mettre les mortels en bulle. Donc sur chaque unité, donc sur un 4+, c'est des 3 mortels. Yep. Je vais lancer un par un du coup. Premièrement, les Blightlords, 4+, rien du tout. Les Deathshrouds, rien du tout. Asri Rolas. Ouais, je vais changer. Non. Ouais. Ça a pas pu. Mortarion. As. Ah, voilà. Du coup, des 3. Et bah, 2 mortels sur Mortarion. Le film 5. Allez, papy. Et oh, bah, solide. 2 PV, les doubles. Ah, c'est pas solide. Ça. Et le deuxième pouvoir cosmique du K'tan, c'est son Gaze of Death. Ce qui veut donc dire que je vais lancer 3 des 4, cette fois uniquement sur Mortarion. Pas 3 des 4. Oui. 3 des 6, 3 des 6, 3 des 6. 3 des 6, et c'est 3 des 6 mortels. Là. Non, plus sérieusement, ouais. 3 des 6, et du coup, sur chaque 4+, des 3 mortels. Une seule qui passe, des 3 mortels, une mortelle en plus. Voilà. Et bah, toujours et pas. Et bah, c'est tout. Fin de la phase de pouvoir cosmique, on va passer à la phase de tir. Il ne va pas y avoir grand chose. Les petits tirs, on va les faire un peu plus tard, juste derrière. Je vais faire tout de suite mes gros tirs sur Mortarion. Ah. Avec les Locustes qui sont juste ici, qui sont toujours boostés, 2+ reroll, stable. Enfin, à ce niveau-là, ça fait plusieurs fois déjà. Non, ça va. Est-ce que je fais une blesse auto? Non, parce que si, parce que j'aimerais bien le one-shot. Il me reste 5 PC. Ouais. Le petit 2. Je le passe en blesse automatique, donc ça, ça fait déjà une blesse, et 3+. Ben voilà, j'ai bien fait de faire une blesse yes, auto, ça fait une blesse du coup. Là, vu des familles. Et j'y pense, j'ai pas vu le résultat, je vais peut-être utiliser un point de commandement, si tu me l'autorises, pour relever une des deux que... Vas-y. Hop. Et 3+, ça fait... J'ai une deuxième save. C'est bon, donc est-ce que je relance une 3D3, ouais, je vais relancer. Je reroll. Bon, bah non. Ouf, 3D3 dégâts du coup. Bon, on va continuer ici. 3D3 sur Mortarion, ça fait plaisir. Allez. Ça fait 3, plus 2, 5, et un 6. 6 PV sur Mortarion. Moins 1, 5, 5 ah, oui. De peine. Bon, bah 4 PV. Donc. Eh ben, il va être temps plus tard de le charger. Mais avant de passer la phase de charge, on va faire les petits tirs anecdotiques hors caméra. Et on se retrouve juste après.
Fin des petits tirs anecdotiques. Plusieurs immortels ont tiré sur les Poxwalker juste ici. Ils ont tué quand même 6 entre tous leurs tirs, rapid fire, etc. Ce qui n'est pas un peu si mal. Maintenant, on va passer à ce qu'on attend depuis le début. La charge du Nightbringer à 6 pas sur Mortarion. Est-ce que tu veux Overwatch ? Pas du tout. Alors, charge à 6. Oh large. De toute façon, on a une charge à 9. Charge à 9 et je vais pouvoir me mettre hors de portée parce qu'il a un stratagème pour faire une intervention héroïque, si je ne m'abuse. Je vais essayer de faire en sorte, on ne sait jamais sur la blague, de me mettre hors de portée de ces Death Shrouds. Je me consolide et on se retrouve pour la phase de mort de Mortarion. Allez, le Nightbringer s'est mis hors de portée d'intervention héroïque via stratagème des Death Shrouds. Il va mettre ses 6 attaques, 2 plus, 3 plus, ignore les imbus, ignore les Feel No Pain, dans Mortarion. Donc, évidemment, s'il y a quoi que ce soit qui passe pas, je reroll. Eh ben, double as. Solide. Je reroll, l'as. Heureusement qu'il touche à 2. Heureusement que t'as pas mis le sort. De miasme. J'ai trop le seum. Et je passe à 3 PC. Est-ce que je mettrais pas une petite blesse automatique? Ah oui, exact, c'est techno. Oui, tout à fait. Du coup, ça te fait 5 touches. Touches. 3 plus. 3 blessures. 3 blesses. Il n'a pas de save puisque j'ignore les invus. Et 3 j'ignore 6, les... moins 1 à chaque fois. Alors, on va faire le moins 1 après. 5, moins 1, 4. 3. Donc ça fait 2. 2 et 2, 4. Il reste 8. Un PV. Oh là là. Il reste 1 PV à Mortarion. Oh la vache. J'ai pas le droit de lancer le jet de dégâts. Je crois pas que j'ai le droit de lancer le jet de dégâts. Non, non, je l'ai déjà utilisé. Donc non. Ben, tant pis pour moi, il lui reste 1 PV, le coquin. Bon, il est en bien dégressif par contre, du coup. Oui, oui. Là, il a quand même la goutte de sueur. Mais ben, je l'ai pas tué. Eh ben, on va voir la riposte de Mortarion tout de suite. Non, oh, bah oui, hein, sous oui. Vos yeux. Hein. Et bah ben, bon, j'ai moins d'attaque. Rien plus que 4. 5, pardon. Je touche toujours à 2 quand même avec les rerolls des As. L'As, est-ce qu'il y aura... Non, il n'y aura pas d'As. Je baisse à 2, j'ai toujours force 16. Tiens, bien. Force 16 000. Allez hop. Putain, c'est... Donc save à 4, il fait un dégât combien? Le dégât est 3 plus 3. Donc. Oui, donc en gros... Bah voilà. Non. Donc il y en a 2 qui passent, mais de toute façon, il me fait ses 3 PV. Je passe de 8 à 5 points de vie. Et maintenant, la question, c'est est-ce que tu me tueras à ton tour? Bah, je vais surtout me barrer parce que si t'exploses et que je meurs, je suis comme un con. Bah oui, ça. Donc voilà pour ceci. Et qu'est-ce que l'on a? Oui, on a encore les combats ici entre les Wraiths et le Plague Lord. Hein, on va le faire en dehors de, de ça. Donc, fin de mon tour 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 points de vie encore au Plague Burst Crawler, donc il va finir par mourir, peut-être. Un jour, j'ai fait ma domination, donc 3 points supplémentaires. Nos prisonniers, on verra plus tard. J'ai maxé, pour info, donc, mon secondaire Nécron. Je suis à 15. Donc c'est pour ça que j'ai pu commencer à ramener des troupes vers l'avant. J'ai posé, comme on l'a vu, une petite bombe supplémentaire juste à côté de Mortarion avec mon Exmark Destroyer. Et ce sera à peu près tout. Je vais laisser la main à la Death Guard de Hugo et on va voir ce qu'il va faire pour son tour 3. Je pense que là, ça y va tout envoyer. Oh oui. On se retrouve pour le début du tour d'Hugo. Ouais. Début de ma phase de com, je récupère un PC, je vois tout de suite si là je peux en récupérer un de plus avec lui. Allez, oui, tonton est avec moi. Il va pas donner de bonus parce qu'il n'y a personne à porter. Mortarion va donner un full reroll sur les Death Rods, qui en ont peut-être besoin. Je vais utiliser un PC pour ripop du pox. Le but en fait étant, je viens de vérifier en fait de charger eux et en fait il m'a laissé un petit espace ici en fait de glisser des pox et d'en positionner deux ici afin de mettre ma domination. Et en plus, je pourrais lui retirer un petit peu de primaire, donc ce serait pas mal. Il faut aussi que je me débarrasse de ces abrutis qui sont là, donc on verra, je pourrais envoyer un Tailman qui charge, je vais tirer au Plague Burst, on va lui faire ma vie. Alors il me manque un petit fichier son, mais je vous fais vite fait le résumé en direct. Hein. Donc là, vous avez Hugo qui a déplacé Sir Deathshroud et Mortarion afin de faire les deux charges qui vont bien sur les deux personnages de ce côté-là de la table. Ici, le chenier Crash Pest reculé pour avoir une ligne de vue sur les deux petits socles. Et au centre de la table, les Terminators se sont avancés avec leur personnage bien paqué afin de s'assurer des charges faciles sur l'ensemble des Nécrons. Et enfin, les Pox se sont avancés au maximum pour espérer faire la charge maximum également pour se faufiler entre les lignes ennemies pour aller mettre un pied sur l'objectif et un peu amoindrir le primaire d'Alaric.
Ça, c'est pour la phase mouvement. En ce qui concerne la phase psy, il n'y a plus qu'un seul psycheur du côté de Hugo, donc Mortarion a décidé de se passer de tous ses sorts pour ne faire qu'une seule interrogation psychique afin de marquer ses 3 points de secondaire, et il réussit son interrogation psychique. Voilà, je vous laisse à présent à la phase de tir d'Hugo. Phase de tir, alors ce qui s'est passé là, c'est que j'ai fait mon sprint, j'ai pas fait un as, sauf que il a tanké et puis il s'est relevé, hein, il fait pas d'effort. J'ai foutu un petit peu, j'ai fait que 2 misérables PV. Et puis on va faire les tirs de Mortarion. Est-ce qu'il touche ? Voilà. Non, c'est vraiment non. Et il a pas de reroll des as, donc. Il touche pas. C'est la tristesse. Voilà. Bon, tant pis, hein. J'ai quand même les tirs de. C'est triste quand même. Oui, oui. Le tir de cet abruti là. Oui, s'il va tirer sur qui il a pas ligne 2. Mais si, il a une 2. Ah si, sur les scarabs. Ah, je mets tout sur les scarabs. Vas-y, j'ai un qui meurt, c'est con. Les 2 canons entropie. Oui, vas-y, one shot les. Ça serait bien. Plus. Facile, enfin, si, allez, il s'en allez, là on est stat. stat haute. Phase de charge, du coup, j'ai envoyé eux. Ils ont une charge à 4 à faire sur les Scorpex. Ouais. C'est la charge la plus importante à faire. Voilà, une des plus importantes. Oh là là. C'est grandiose. Je traverse l'espace-temps. Je mets plus d'un pouce de toi. Est-ce que tu vas réussir pour les Poxwalkers à te projeter assez loin ? Ah oui, comment je suis parti là ? Je pense qu'on m'arrête plus. t'as fait ton 11 là pour les. On m'arrête plus. Alors, j'ai ensuite la charge de eux à faire sur Nightmanger et Otastico là. Au moins de 4. C'est une charge à 3. Voilà. Facile ce jeu. Fais tes gros jets ici. Je viens le socler pour pas qu'il puisse piller son objectif, parce que j'ai pas envie qu'il me prenne. Je mets un Terminator, je mets 2 Terminators, enfin je mettrai 2 Terminators sur l'objectif. Et pour finir, la charge d'Epox Walker. Là, les copains, là, c'est un petit peu important. J'ai une charge là, voilà. À 4. C'était là que ça arrivait, c'est là que je vais la relancer. Donc un PC. Pour un PC, parce que 4 ça me paraît peu quand même. On va tirer. Voilà, allez, là, bien. Facile. C'est facile ce jeu. C'est facile. Donc, poup, je vais venir totalement me projeter par là. Faire ma phase de charge. Donc, j'ai réussi à faire ma charge à 9. Là, je me suis projeté. Il y en a un. Donc, il s'arrête là. Ce que je vais faire avec le pin, donc notamment ceux-là, en fait, c'est que je vais me rapprocher un petit peu de eux. En me rapprochant de eux, au final, je serai quand même rapproché, mais je me retrouverai pour la consolidation plus proche de eux. Ce qui pourra me rapprocher, donc. D'objectif et donc mettre 2 pieds dessus. Donc en gros, je pourrais lui compter cet objectif et je prendrais ma domination. Je vais commencer par activer par contre les Terminator d'Eshrod. Logique, je crois un petit peu plus important. Alors, phase de corps à corps, je vais mettre 3 thermis, dont le chef sur le Nightbringer. Le chef, un autre thermis et dernier copain. Donc les noirs sur le Nightbringer. Les blancs, ce sera sur le personnage et je tape. À dégâts 2 pour le briser en 2. Je touche à 3+, parce que j'ai des grosses armes et que c'est encombrant, mais je reroll toutes les touches grâce à l'amélioration de Mortarion. Il est archi mort. Ouais, c'est fantastique. On verra après si je veux le ressusciter. Save à 4. Bah heureusement qu'il a son. Bon, bah il a perdu ses 3 PV de. Juste là. De cac. Voilà pour ça. Et ça, c'est la grande question. Parce que je peux l'interrompre avec les Scorpec. Ça me coûterait 2 PC pour interrompre, encore plus si je veux les booster. Mais je pense que ça va être ma dernière grande action. Je vais interrompre. Mmh. Je vais prendre l'initiative. Alors, j'ai interrompu. Et tant qu'à interrompre, et que là, ça va vraiment être le combat décisif, j'ai également payé plus en force pour ces petits Scorpec. Pour que leurs armes, qui sont force 5, donc les armes plus nombreuses, passent force 6 et donc le blessent à 3+. Je vais donc le blesser avec tous ses dés. Il y a 6 dés noirs qui sont dégâts 2 et 16 dés blancs qui sont dégâts 1. Je vais toucher à chaque fois 2+, reroll des as, et ensuite derrière 3+, à chaque fois, pas de reroll. PA moins 3 et moins 4, mais de toute façon ça sera sur la vue. 2+, reroll des as. J'ai plus de points de commandement, je suis à sec. Est-ce que c'est beau ou pas ? T'as plus un but ? Les noirs, c'est dégâts 2, c'est ça ? Oui. Dégâts 3, dégâts 2.
plus bien, ça fait donc... 2, un mort, et 2 morts. Deux morts. Tout cas, c'est des belles invues ça, monsieur. Merci, j'en suis pas peu fier. Bon, 3 PC dépensés pour tuer 2 gars, mais c'est peut-être ça qui va justement lui enlever la force de frappe pour m'enlever de l'objectif. Donc c'est jamais perdu. Ok, du coup, moi de riposter avec eux, j'ai payé mon dernier PC pour qu'ils aient plus un coup touché, donc ils vont me coucher à 2+. Et ils vont me blesser à tout le monde à 3+, rigueur des 9 parce que c'est l'arme de la peste. Donc là, j'ai tout m'aider. Il y a le fléau et qui sera en noir et les autres copains à côté. Plus à 2 du coup. Hop, as. Bon, j'ai pas de reroll. Et je baisse à 3 avec une reroll des as parce que c'est d'armes pestilentielles. 3 reroll des as. Et ça passe pas. Et voilà, parce que je relasse. Donc les noirs sont PA moins 2, les blancs sont PA moins 3. T'as pas d'invue ? Ah non, j'ai pas d'invue, c'est les Scorpex, c'est vrai. Tu m'as dit les noirs c'est dégâts. PA 3. C'est ça ? PA 1, pardon, PA 1. PA 1 les noirs. Donc ceux-là, tu me blesses, ça c'est tanké. Et les blancs, PA. Ouais, et PA 3. PA 3, PA 3 donc il n'y a que ça qui est sauvé. Et tu feras les blancs, enfin c'est les blancs que je prends en premier. En premier. C'est le dégât 2, comme ça va me contrebalancer. Un mort, deux morts, trois morts. Ah non, trois morts et demi. Parce que là, en fait, tu vas faire un mort, un ça mort. Va faire deux morts, ou ça fait juste trois morts. Trois morts et deux PV. Trois morts et deux PV. Alors sur les trois morts, je vais faire tout de suite les protocoles de réanimation. 1, 2, 3, il y en a un qui se relève, je peux relancer un pour le plaisir, mais ça ne sert à rien, il n'y en a qu'un seul qui se relève, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et donc tu me fais 2 morts en tout. C'est ça. Ça va, 2 morts chacun, c'est poli. C'est poli. Je vais activer maintenant Epox. Oui. Comme prévu, il va se rapprocher par là sans l'engager. Non, en fait, je vais juste un petit peu traîner des pattes par ici, je me rapproche de lui. Par contre, c'est surtout lui qui m'intéresse. En gros, je vais me rapprocher de lui comme ça, celui-ci ne va pas le faire. Je peux pas aller sur l'objectif, par contre après je pourrais me rapprocher de lui, il sera plus proche. Et lui en fait je vais juste suivre comme ça. Et lui en fait ils vont faire comme ça, juste en mettre 4 dedans. Je vais retirer les miens. Si j'arrive à en retirer un, ça serait rigolo. Ça amuse d'attaque quand même. Ils sont costauds et retirer les garçons. Oh c'est solide. Ça a baissé à 5+ par contre. Et ben, je t'en fais 2 quand même. Sans PA. C'est des petits attaques, 200 PA. C'est ça. Ça peut m'en tuer un, ça peut m'en tuer deux. Et un double. Ouais. Protocole. Il y en a un, hop, il y en a un qui se relève. Et l'autre que je peux reroll. Non, il y a un mort. Bon, ça m'en récupère deux quand même. Hein. Bon, genre pop deux parce qu'il y en a tué deux. Ouais, donc j'ai hop. Deux morts. Et hop. Et j'en ai un que je vais mettre là-bas, ça me fait gagner un peu de place. Donc, je ne vais pas apporter un engagement. Voilà. Et puis voilà, je suis content d'être heureux. Ok, bah, je vais faire mon petit mouvement de conso. Et ça me fait 4 attaques. Non, ils ont 2 attaques peut-être, les immortels. Ouais. Attention. Donc ça me fait 8 attaques, je vais prendre les dés noirs. Du coup, ici, j'ai riposté avec mes immortels. Pas de bon jet, je ne lui tue qu'un seul Poxwalker. Et je crois que ça va sonner la fin des combats. Non, il y a Nightbringer. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Le Nightbringer qui va taper. Il reste quelques PV à Mortarion. Est-ce que je suis gourmand et je split? Ce qu'il ne faut absolument jamais faire chez vous. Je vais faire 4 attaques sur Mortarion. Et 2 attaques sur les Death Shroud. Oui, tout à fait, 2 attaques sur Mortarion. Non, pardon, 2 attaques sur les Death Shroud, 4 sur Mortarion. Vache. Ça fait 2 morts chez les Death Shroud. Bah, qu'est-ce que j'ai dit, splitté chez vous, c'est très bien. Wow. Faut bien que ça marche des fois. Est-ce qu'il explose, Mortarion? Il peut exploser? Ah oui. Mais non. Bah vas-y, oh putain. Film. Sur du 6. On sur le 4. Mais non. Ah si. Sans grande surprise, Mortarion est mort, au poil de cul. Hein, tu as fait combien de PV? Trop. Oui. Par contre, il explose sur un 4+. Et c'est combien de mortels? D3B. Oh là 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 là. 4+. Ah, putain. Ah là là. Putain, voilà, j'ai la goutte de sueur. Hein. Oh là là. Oh putain, il y a rien. Désolé Mortarion. Désolé Hugo. Ah là là. C'est pas possible. Bon, par contre, j'avais quand même des armes, des attaques de tir que tu j'ai oublié de faire. Tu les as pas tirées, vas-y, fais-les tout de suite. On les avait oubliés. Attention, deux les canons entropie à 4+, une touche, une qui a blessé, et il va faire son 4+. Non, ouh. Un mort. Et les petites armes derrière? Ah oui, une mitrailleuse.
peux peut-être me le sécher. Ouais, bah non, pas du tout maintenant. Une, deux, t'as deux. Moins un. Non, un seul mort qui va peut-être se régénérer. Non, peut-être. Non. Oh, ouf. Ça fait des PV après. Ouais. Donc, un mort supplémentaire et moi je vais faire mes petites attaques. Je vais peut-être finir par le tuer, le petit. Quatre attaques, une touche, pas de blesse. Ça va être la fin du tour. C'est ça. Qu'est-ce que tu scores? Domination cette fois-ci. Oui. Fin de mon tour du coup. Eh bien, un peu triste, hein, mon tour n'a pas explosé, ça aurait été rigolo. En plus de ça, il n'a même pas mis son PV. Ouais. C'est triste. Par contre, j'ai cet objectif-là. J'ai cet objectif-là, et là je reprends ici, donc je fais ma domination. Oui. Par contre, ici je ne le reprends pas. Ouais. Moi je vais marquer moins de primaire du coup. C'est ça. Et puis, je te fais ce tour. Hein. Je mets juste ma interruption en fait, ma dernière. Donc je récapé à 9 du coup. Oui, 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 tout à fait. Phase de commandement du tour 4. Je vais commencer par révéler mon protocole. Alors les joueurs Nécron le savent à ce niveau-là de la partie, on ne sait jamais comment ça va. Je pourrais faire des actions étirées. Bien, on verra ce que j'en ferai, peut-être une bombe quelque part. À voir. Par contre, je récupère un point de commandement qui me sera précieux, très précieux. Et je vais surtout booster des gens avec mon... Comment il s'appelle ? Ma main du Faero, l'Overlord, qui est juste ici. Il va booster qui ? Premièrement, il va booster les Locustes, comme toujours. Et il va booster également, il va booster les Scorpec, parce que pourquoi pas. Et surtout, j'ai également mon Technomancer, il ne faut pas l'oublier, il n'a rien fait de la partie pour l'instant, mais s'il était ici, c'est pour pouvoir ressusciter une unité. Donc j'ai un Scorpec en plus qui revient. Tout ça pour ça. Voilà. Les primaires, je ne marque que 8 points de victoire, puisque Hugo, avec ses petits tricks de mouvement de pox de pro player, m'a repris l'objectif tout là-bas. Donc forcément, je n'en ai que deux. Heureusement que je suis obsèque. Et on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Alors, phase de commandement, on l'a oublié de faire. Je vais essayer de récupérer un PC avec mon Taliman. Donc sur un 7 ou plus, je fais 4. C'est un échec. Et tant pis, tu pourras retenter au prochain... Enfin, à ton tour. S'il meurt pas, alors. Fin de la phase de mouvement, justement. Qu'est-ce que j'ai fait ici. J'ai des immortels qui sont désengagés du CAC. Ils sont rapprochés là-bas pour peut-être plus tard faire une bombe, sait-on jamais. Ça peut toujours être bien. Les factionnaires, un peu fâchés d'avoir laissé ces pox passer alors contester l'objectif, vont charger. Et juste avant ça, ils vont se prendre une douche de ces immortels-là qui se sont remis sur l'objectif en plus pour être sûr de le sécuriser. Ici, les scorpètes sont engagés, donc il y en a un qui est revenu. Tout le monde, le Lord, les gardes, les factionnaires, les Lich Guards se sont mis en place pour la charge, ça va bien se taper ici, même si j'ai toujours un Fight Last qui est contre moi. Les Locust et V-Destroyer se sont mis en portée de vue à la fois là-bas du Taliman et du Plague Burst Crawler. Contre qui ils vont tirer, je ne sais pas. Est-ce que je lui enlève des PC ou des tirs? À réfléchir. Et le Nightbringer est resté ici, sans bouger, parce qu'il peut lancer ses sorts au corps à corps. Et j'espère bien, avec mon PC en plus pour lancer un troisième si besoin, sécher les Blight Lords, ou au moins les affaiblir très très grandement. Et il y a toujours le duel ici qui n'a pas bougé, qui va continuer. Et je pense qu'il y aura un mort à la fin de la partie là-dessus. Mais c'est bien, je l'ai cliqué toute la partie. Donc, avant de passer au tir, on va d'abord faire la phase des pouvoirs titaniques, psychiques, cosmiques du Nightbringer. Il va commencer par sa bulle. Avec 4+, maintenant en fait à chaque fois c'est pareil, donc c'est du 4+, D3, donc il va tout lancer d'un coup, 4 D6, et chaque 4+, est D3 mortel. Il y en a deux, c'est stat. Tout D3. D3. Trop belle. C'est la tristesse. Et est-ce que j'utilise mon point de commandement pour en lancer un troisième? Je pense que oui, je vais utiliser mon point de commandement pour le stratagème Strange Echoes. Bon, le point de commandement est parti. J'ai une liste de 6, je lance mon petit D6 ici, et je vais relancer le 5, qui est le Seismic Assault, c'est le pire, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Il est nul à chier, celui-là contre. Oui, ben je... On fonctionne je lui fais une mortelle pas sur un 6, un petit peu comme la relique du X-Men. Par nombre de figues. Voilà, ben non, pas de mortelle. Bravo. Super, c'est un PC rondement dépensé, voilà. C'est ça. Mais on va passer maintenant au tir, et là c'est plus intéressant, les 3 Locustes peuvent tirer soit sur le Plague Burst, soit sur le Taliman. Je pense que je vais plutôt les mettre sur le Taliman pour lui retirer sa source de points de commandement
et l'enlever de l'objectif également, parce que le Plague Burst, même s'il riposte qu'il tue des locusts, ils sont à portée de résurrection, puisque oui, les locusts peuvent désormais être ressuscités par le technomancien. Du coup, 3 tirs de plus parce qu'ils ont été boostés par la main du Phaéro. De plus, reroll des as parce qu'ils sont énervés, mais c'est pas besoin. 3 plus, j'étais en forêt, mais bon. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, exact. Bon, toujours, exact. Ouais. Ça blesse, t'as fait sur le Taliman, ouais. Je pense que c'est 10. De plus. Triple 1. Il y a un as. Y a pas de PA. PA combien? PA moins 4. Mais. J'ai pas de sauvegarde. Double 6. Bah non, j'ai pas de sauvegarde. J'ai lancé les dés, c'était pour faire ci, mais j'ai pas de sauvegarde. Le, ça a tué, hein. La première attaque. Il va prendre forcément. Il prend 1, 2, 3 dégâts. Il y a 5 PV. 5 PV? Ah oui, même si je fais que des 1, il est mort. Non, forcément. Bon, ben, vu les dés, c'est quand même bien que j'ai visé le Taliman. Mais du coup, on va faire les petits tirs d'immortel hors caméra. On se retrouve juste après. Début de la phase de charge. Alors, les immortels et les Lich Guards vont charger les Poxwalkers. Le Lord, les deux Cryptosral, les factionnaires vont charger les Blight Lords. Ils ont moins 2, mais on fera quand même, vu que c'est des charges quasi auto hors caméra. On vous dira comment ça s'est passé. Et c'est à peu près tout au niveau des charges. On se retrouve au début de la phase de combat. What? Alors, les charges ont été faites. Les Poxwalkers sont encerclés par des Lich Guards et des Immortels. Ça va mal se passer pour eux. Et on va d'ailleurs les faire en premier, puisque c'est de la charge. Ici, ce qui s'est passé, c'est que il a son aura qui annule le Fight First dû à la charge pour tout le monde ici. Ce qui va donc se passer, c'est que aussi bien pour cette grande mêlée que l'on a ici, que pour le duel là-bas entre le Nightbringer et le Blight Lord, ça va être de l'activation alternée. Oui, et là-bas, on s'en fiche un petit peu aussi. Ça va être de l'activation alternée. Et du coup, il va d'abord choisir lui qui tape en premier entre le combat du Nightbringer ou la grande mêlée qui est ici pour essayer de tuer des gens importants. Ensuite, ça sera à moi, et ainsi de suite. On se retrouve, on va d'abord faire les attaques pas très intéressantes des Poxwalkers tout de suite, hors caméra, et ensuite on se retrouve pour le duel sûrement entre le Nightbringer et le Blight Lord. Donc, sans trop de surprise, les Lich Guards ont complètement séché les Poxwalkers, j'ai fait les mouvements de consolidation, on va passer au combat là-bas. Avec le Blight Lord, non, le Death Shroud qui va taper sur le Nightbringer. Il reste champion, par contre, il est encore sous bonus d'amélioration de Mortarion qui redonne à full reroll des touches, même s'il est mort, c'est jusqu'à la prochaine phase de com. Touche à moins 1, donc à 3 plus en reroll de tout. Pas besoin. Je passe à 3 plus, reroll des As. Pas besoin. Ben, c'est facile. C'est dégâts combien? C'est dégâts 2. Donc il suffit qu'il y en ait 2 qui loupent. Ils font beaucoup de 4+, donc je vais te passer des dés blancs. Il faut que tu fasses moins de 4+. Tiens, voilà, en toute amitié. Il suffit qu'il y en ait 2 qui passent pas de 4+, et il meurt. Et bien, 3 qui passent pas, il meurt. Il explose. Alors, s'il explose et que tu me mets 3 BM, par contre... Il explose à 4, je crois, en plus. Oui, en plus. Et non, lui non plus. Allez, ce qu'on appelle le talent. Eh oui, coup le Nightbringer est mort également, facile. Le dernier Blight Lord, non Death Shroud, mais quand même, putain. C'est trop facile comme jeu, franchement trop facile. Là il y a un grand champ de ruines, il reste un mec, tout le monde est mort là-bas. Un club de Mortarion qui traîne. Suite des combats, mon Nightbringer est vraiment mort. Non, c'est à lui d'activer avec ses Scorpecs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'aura en fait de l'anti-fight first. Pas eux par contre, mais je pense que. Je vais activer les. Non, parce qu'en fait ils ont chargé, donc c'est eux qui vont devoir. Ils tapent en premier. Ouais. C'est vrai, ils ont chargé, ils sont pas dans l'aura. Ils ont 6 attaques tête parce qu'ils sont dans l'aura du technomanceur. Donc je vais prendre 6 dés noirs et 6 dés blancs, ça change rien. C'est du 3+, encore une fois, parce que c'est dans l'aura du technomancien. Officier, mais c'est mieux que ce soit eux qui se loupent. Force 5 en du 5, 4+. Ça te fait 7 save à moins 2. À moins 2? Oui. À 4+. Et bah j'ai qu'un PV. Petit PV, mais c'est bien. D'ailleurs, ils ont des pistolets pour tirer dessus plus tard. Et qui a chargé d'autre? Le Seigneur a chargé. Exact. Il a 4 attaques, parce que les Nécrons n'ont pas le droit d'avoir beaucoup d'attaques sur leur Seigneur. Hop, j'enlève ça. 4 attaques à 2 plus, parce qu'il sait ce qu'il fait, ben non, pas tant que ça. Force plus que 5, mais moins que 10. Sur tes 7, il fallait te faire ça sur du 3 plus, 3 save, PA en vue. En vue, combien de dégâts? Des 3. Le premier. Ben, premier, il te fait 3 moins 1, 2, et mort du deuxième. Non, ça. Pas du mort du premier. Et l'autre, il prend combien? L'autre, il prend combien? Lançons les 3, c'est celui qui prend 1 ou 2 PV. Le premier, t'as le tué direct? Ah oui, ça tue, il reste 2 PV. Ok.
Et du coup l'autre un PV. D'accord. Maintenant on va passer à la riposte, enfin l'attaque des factionnaires qui sont ici, donc les Lich Guards, qui vont mettre toutes leurs attaques 3 par tête sur les Blight Lords. Ça fait 15 attaques à 3+. Et ben ils sont énervés. Ils ont leur seigneur à côté, ils veulent pas se louper. C'est force 6, ils vont blesser à 3. Il y a un petit cassé. Bon. Oh putain. Et ben ça te fait ça de save, PA moins 3. Oh là 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 là. 1v4. Allez copains. Dégâts hein, par contre. Ouais ouais. Ah. C'est moins bon. Oui. Il meurt et un autre mort. Et un PV. Et un PV en plus. C'est rude, hein. Et ben ça va être la fin des combats. Tout le monde a tapé. Ah non, il y a le lourd Plague Burst et le race. On fera ça hors caméra. Alors, le Plague Burst au niveau des combats n'a pas fait de dégâts. Le race a encore fait. Ah non, il a sauvé avec 2 double 6, on a vu. Donc pas de dégâts là-bas, ça n'a rien passé. Au niveau du scoring, le second dernier cron est capé. J'ai fait ma domination, mon emprise, donc je marque 3 points. Et ça va être, nos prisonniers, on verra ça à la fin. Ça sonne la fin de mon tour 4, je passe la main à Hugo. Ouais. Début de mon tour, je marque 4 points parce qu'il m'a habilement retiré cet objectif-là, mais je reste quand même dessus. Je récupère un PC, un puissant PC. Grosso modo dans les mouvements, donc là c'est un peu compliqué. Je me suis mis en fait à 3 pouces de avec le Dicepone juste derrière. Il va donner son Fight Task tout simplement en fait à eux qui sont à 3 pouces. Donc lui s'est positionné là sur l'objectif, il va enlever la bombe qui est ici. Je me suis rapproché avec lui en mettant l'objectif sur la forêt et avec une ligne de vue dégagée sur eux pour éventuellement en tuer un ou deux. Je me suis mis moi en fait, donc il ne pourrait pas trop me charger. Voilà, il pourrait faire une advance, et s'il fait une advance à 6, qui ne va pas le faire parce qu'il est gentil, il ne me reprendrait pas l'objectif. Donc ce serait génial. Le bleu, je suis encore engagé hein, parce que ça fait depuis le début de la partie. C'est vrai. Bah, fais tes tirs, essaye de le tuer. Voilà, écoute, j'ai déjà fait mes tirs, je vais essayer de le tuer. Là, écoute, je vais le tuer, vive Rodin. Touche à 4 avec quelqu'un d'entropie. J'ai aucune touche, ça, voilà, c'est super. Les mitrailleuses peut-être. Les mitrailleuses. J'ai 2 touches. J'ai 2 blesses à moins 1. 2 blesses à moins 1, 1 vu à 4. Ouais, 2 PV. Là, il lui en reste. J'ai fait tomber un dé. Il lui reste 1 PV. On verra la fin de ce combat au tour 5. Alors. Bon, ben ça après, tes tirs ensuite des Plague Burst. Alors les Plague Burst, alors les 2 tirs à 4+, ça touche. Ah bien, c'est en du 5. Là c'est à 3+, force 8, en du 5, à 3+, force des As, je charme d'un peu. Bah 2 blesses à moins 4. Moins 4, bah 2 morts. Bah 2 morts, oui. 2 morts, oui. Bah 2 morts, c'est comme ça, c'est des 3+3, c'est ah, ça. Ah ouais, donc... Donc je vais faire mes protocoles tout de suite. Alors là normalement 4D, c'est vraiment pas stat si je le fais. Tu l'as vu aussi, hein, mais non. Oui, j'ai eu très peur. Hein. Non, bah, j'ai quand même le tir de mortier. Oui. Des 6 tirs, 5 tirs. Tu tires sur les immortels ou le. Non, ou toujours, toujours les mêmes zigotos là. Voilà. Bah, voilà. Mais bon, tu m'en tues quand même. La mitrailleuse, ma mitrailleuse. Hop. Le petit cassé, ne touche pas. 2 blesses à moins 1, s'il te plaît. Sur lui toujours. Toujours sur lui. PA moins 1, donc il n'est pas couvert sur le. Ça a explosé, ouais. Du coup, c'est de 3 qui passe à 4. 4, ouais. Un PV, c'est ça? Ou 2 PV, oui. Un seul PV. Un seul PV. Il lui en reste 3. Et le full blind spawn, il va faire son fruch dans lui. Parce que, parce que les autres. Oh, il y a le technomancer aussi qui est là. Oh, je m'en fous. J'ai envie de tuer, ça me ferait des points. Dès qu'il touche auto, 5. Oui, 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 oui. Elle va peut-être faire quelque chose enfin. Oh, reroll les as. Allez, ça baisse à 3, hein, force 8. T'es fort, mon copain. Paix à moins 3, ça en fait 3. Paix à moins 3. Dégâts 2. Ah ouais, oui. Oh là là, donc save à 6. Ah oui, il te prend double 6 là. Non, non, bah aucun, il meurt. Ça, il meurt sec. Bah, c'est fantastique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le talent? Le talent, le talent. Il fait bien de le faire parce qu'en vrai, si jamais il l'aurait pas tué, s'il avait fait un seul, d'une, j'en repopais un au tour suivant. Et en plus, j'aurais essayé de tuer ce mec, puisque vu qu'il n'est pas obsèque, j'aurais pu essayer de le tuer avant qu'il désamorce la bombe. Donc il a vraiment très bien fait de faire ça. Non, merci. Une réussite. Bon. J'ai plus de tir.
Bon, bah, phase de charge. Phase de charge, ouais, tu j'ai rien en fait, je mets juste un fight test ici, je vais taper avec mes thermines que... Ouais, vas-y. C'est un fight test. Par contre, tu peux me faire une intervention avec lui si tu veux. Vu que je suis plus engagé, en fait, avec la console, je me suis un petit peu rapproché. Bah oui, allez, intervention héroïque, je viens. Sur le toit. Oui, oui. Sûr. Oui, oui. C'est la fin, de toute façon, t'as pas d'assassinat, les persos comptent pas pour les points. Voilà, donc oui. J'ai essayé de brain, ça n'a pas marché. Je mets quand même tout sur le Scorpec, il a plus de CP, donc bah voilà. Je vais toucher à 2+, j'aurai tout touché. PA-1, donc ça c'est sauvé. PA- beaucoup les autres, donc non. C'est ça. Ça me fait... Est-ce que j'en avais un qui était blessé? Non. Ça me fait 1 mort, 2 morts et 2 PV. Et 2 PV, c'est ça. 2 morts, donc on va faire les rerolls tout de suite. 2 réanimations. Pas loin encore, mais non. Du coup, 2 morts. On va enlever les petits. Et il y en a un à qui il reste un seul PV. Là, il m'a tué 2 Terminator, et puis voilà. Petit quoi. Move, du coup, il a enlevé ceux qui étaient en contact avec l'Overlord. Ah, bah, c'est pas considéré comme un chargé, il fait voilà. Intervention avec, du coup, il peut pas s'engager. Tout à fait. Du coup, scoring? Bah, j'ai rien vu du tout. Bon, pas de domination. Mais tu enlèves la bombe qui était là. Ouais, j'enlève la bombe. Donc, cinquième tour, on s'en fiche un peu du protocole. Je gagne 12 points de victoire. Je vais essayer, grosso modo, pour maximiser mes points, de tuer le dernier Terminator, puisque c'est lui qui est intéressant pour moi, pour mon prisonnier. Mon infanterie va s'avancer pour mettre une dernière bombe. Non, c'est plutôt eux qui vont s'avancer pour mettre des bombes, et je vais tenter l'advance pour lui prendre son truc, ou pas. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Le plus important, ce tour 5, c'est de tuer le Terminator. Alors, mon tour 5, très simplement, j'ai tué le Terminator qui était ici. Non pas avant que grâce à son Fight Last, il puisse taper et me tuer un Scorpec. Et du coup, j'ai posé une dernière bombe ici avec mes factionnaires qui étaient là-bas. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas d'autre moyen de tuer qui que ce soit. C'est ça. On va faire le corps à corps ici. Ah, tu veux que je te tue vraiment? Vas-y. On sort un 6 et je le tue. Oui, c'est vrai. Ah, c'est dommage, ça touche pas à 6. À 5. Est-ce que je vais vraiment finir? Putain, tu sais qu'on va le finir ce combat. Deux touches. Une blesse. Non, putain, pas cette fois-ci. Non, c'est bon. Du coup, fin de mon tour, je marque domination. Je peux essayer avec en prise, je remarque 3 points. Les kills morts, on verra. Enfin, les points de vie, on verra après. Et je vais laisser la main à Hugo pour son dernier tour. Ouais, mon tour 5, donc je viens de le faire, je vous explique ce qui s'est passé. Donc là, j'ai désengagé avec le Peck Burst, mais en fait, avec l'autre, je me suis royalement cut, donc j'ai pas été foutu de lui mettre un PV. Astico, j'ai cet objectif-là, et celui-ci, ce qui me met 8 points. J'ai réussi à placer une bombe avec le Football Spawn ici, donc ça me met 4 points de plus. Puis voilà, j'ai rien plus à faire, donc on se retrouve à la fin de la partie pour le décompte du scoring. Yes. Bon, bien, bonne partie, hein. très intéressante. Partie. On a fait le choix de proposer un match assez, assez équilibré. Donc en fait, on s'est mis vraiment d'accord en amont. Moi, je voulais sortir Morty, même si c'est pas petit. Lui, ouais. Sortait le Nightbringer, on voulait quand même qu'il y ait un duel là un petit peu, donc en fait ça a un petit peu conditionné nos placements et tout, donc on pourrait se dire, oh, il y aura peut-être dû faire ça ou faire autre chose. On voulait quand même qu'il y ait un petit duel au sommet à, comment dire, après on a parlé donc en amont et en aval, mais ouais, concrètement nos armées c'était pas des armées top méta. Le Necron est quand même encore costaud à l'heure actuelle, même si c'est pas du tout top tier, mais avec le super OP, le mouvement pré-game, surtout sur ces scénarios-là avec les bombes où il les met automatiquement, ça va faire un peu tour, vu qu'il est super OP. C'était relou. Et j'ai fait une partie contre un culte hier en plus, c'était d'autant plus relou. Donc voilà, après, c'était une bonne partie. Il y avait du match, il y avait des trucs, donc c'était cool. On finit sur un score de 84 en faveur du joueur Necron à 53 pour moi. Pour ce qui est scoring de primaire, tu capais à 45, oui. C'est Necron et que après, voilà. Oui. Moi, je mets 28 points, parce que je mets que 4 points au T2, je mets 8 points au T3, 4 au T4, parce que j'ai fait Pteur avec le time man, j'aurais peut-être pu esquiver. Et la bombe au T5. Fondamentalement, au T5, je mets 12 points, donc 8 de primaire classique et 4 parce que j'arrive à poser ma bombe. Pour le secondaire, ma domination, je mets 6 points. Donc on s'est mis d'accord, on a parlé, la domination était un petit peu conditionnée de T1. Oui. Parce que dans cette disposition, en fait, j'ai mis Morty pour qu'il puisse directement se positionner au centre au T1. Donc certes, il aurait tenu moins longtemps et il aurait pris cher.
J'aurais peut-être pu aussi prendre un Linebringer T1 énervé, je ne sais plus comment tu étais placé. Mmh, il aurait pu. Mais au moins, en fait, je mettais 3 points de domination, et puis après, j'avançais mon enclume, donc j'avais quand même plus de répondants. J'aurais pas mis 15 dominations. Mais le truc, c'est que niveau choix de secondaire, engagé sur un scénar comme ça avec la DG, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, bon, moi, j'ai pas eu T1, donc c'est compliqué de reprendre la domination, l'objectif du centre. Après, la domination, on arrive à se la reprendre l'un l'autre. Là où le T1 aide beaucoup, c'est pour le secondaire Nécron. Ouais. Là où je peux me mettre dès le début, dès la fin du T2, il n'arrive pas à me sortir mes scarabs, mes lidiards, etc. Je mets 9 points directs de secondaire au début du T2. Puis c'est surtout qu'en fait, son objectif lui dit de commencer l'action. Donc quand il est sur l'objectif, mais quand il y a personne dessus. Je ne peux pas commencer l'action s'il y a un autre ennemi sur l'objectif. Ouais, par contre, tu peux le terminer, même si je perds l'objectif, c'est pas grave. Et puis en plus, c'est bien précisé, une ou plusieurs unités peuvent le faire. Voilà, donc, tu peux le faire tout de suite. Bon, je pense pas qu'on ait mal lu. Après, c'est possible qu'on ait fait une erreur, on n'est pas un collab non plus. En gros, le fait qu'il se pose sur ces 3 objectifs-là et que apparemment il les fait 3 fois, moi du coup je me prends 9 points dans la tronche. Alors qu'en fait, si je me pose sur cet objectif-là, qui est de mon côté et sur celui du centre, et là en fait je lui nul déjà 6 points. Donc en fait, il va pouvoir mettre que 3 points dans l'objectif qui est son côté. Et ça change, je vais bombarder l'unité qui fait l'objectif avec meilleur loss, etc. Donc là, il va être un petit peu. Voilà. Après, c'est comme des lisières, les mecs qui font l'objectif. Oui, il y a des gardes qui sont au fond et en fait il va faire son secondaire et moi clairement ça les aurait bloqués plus longtemps, c'est vrai. J'arriverai à remonter, quoi, ça aurait pu changer des choses. Pareil, moi j'avais T1, j'avais une domination. Enfin bon, voilà. Nos prisonniers, moi je mets 10 points. Pile poil, toi tu mets 9 points parce qu'il a quand même réussi à me retirer des pox, tout ça. Et ton secondaire, donc tu mets 15. Et moi, mon interrupti, je mets quand même 9 points. Ouais. Donc t'aurais peut-être pu. Alors le seul truc que je verrais sur l'interrogation mentale, c'est au tour 3. Tu te fais pas de sort avec Mortarion qui aurait pu te mettre moins un touche, ce genre de choses. Ah mais en fait il était mort, il est resté campé. Ouais. Et donc ça change quand même pas mal de choses. Tu aurais pu ensuite tour 4, tour 5 te mettre à portée et faire l'interrogation mentale sur les autres. C'était le seul truc où t'aurais pu un petit peu plus optimiser, mais sinon. Sinon voilà. Ouais mais en fait j'ai plus de sorcier quoi. Donc tant pis, Mortarion va mourir, mais au moins il aura mis ses 3. C'est vrai. Mais c'était quand même super intéressant comme partie. Effectivement, on s'était mis d'accord de mettre Mortarion et le Nightbringer tant qu'à sortir des armées hors top meta, autant mettre des trucs un petit peu sympas et qui permettent de mettre des tricks. Parce que du coup, c'était vraiment les premiers tours, on avait vraiment ces deux gros mastodontes qui essayaient de s'engager. Le Mortarion avec son cordon de pox, moi avec mon cordon de scarab. Et c'était vraiment un petit jeu là-dessus à qui pourrait engager qui en premier. Donc voilà, c'était vraiment ça qui était un petit peu dépendant, plus les sorts, etc. qu'on se mettait. Ouais, c'était assez sympa. C'est pas de sortir les armées de méta et qu'il y en ait un qui mette exactement. En fait, on s'est posé la question, moi j'avais du custo quand même assez méta, et puis si je sortais, il y avait quand même... Ouais, du Nécron, Il y avait beaucoup moins de matchs. C'est ça. Peut-être pas été ta table rasée T3, mais... Mais pas loin. Voilà, c'est deux armées pas top méta, mais qu'on essayait de jouer au maximum de ce qu'on pouvait, même si c'était pas des armées top méta. Voilà, sortir plein de figues assez fun. Moi, c'était bien sympa, on peut montrer des tricks, etc. Et puis ça peut montrer que même si vous jouez pas forcément Tau, Aldari ou ce genre de trucs, ou Custo en ce moment. Ou Arlequin. Vous pouvez quand même vous amuser à faire des tricks, essayer de faire du beau jeu, même si vous jouez autre chose. Après, vous tombez sur du Harlequin 9 Void Weaver, ça se passe pas bien. Bon, par contre, c'est dommage, on voit bien que la DG. La DG s'est pris un nerf. Pourquoi là, franchement, elle était pas. Là, la DG. C'est compliqué. J'ai quand même senti. J'ai pas beaucoup de super OP contre toi. C'était agréable, c'était fun. Voilà, c'était une super partie. Bah écoute, merci Hugo. Au plaisir. À bientôt. En plus, on s'est vu hier en tournoi. Ouais, c'est vrai. C'est marrant, c'était marrant. Bon, j'espère que le rapport vous a plu. On n'a pas fait trop d'erreurs de règles, je ne pense pas. On a essayé de faire au mieux, Laissez surtout le pouce bleu. Et le commentaire si on a fait des erreurs. Dites-le nous ou si vous avez bien aimé. Ouais, carrément. Et on se voit la prochaine fois. Ciao. À plus, les seigneurs de guerre.